Et salut à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Team Laponte. Vous êtes toujours avec Mathieu à la Laponte, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo League Finder avec Jonathan qui est présent avec moi, qui va se présenter dans quelques minutes. Jonathan, voilà, qui avait fini deuxième du dernier tournoi de la Team Laponte que j'avais organisé pour fêter les 1000 abonnés qu'on avait dépassé il y a quelques temps sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui savent pas c'est quoi un League Finder, je vais vous expliquer en deux trois mots du plus simplement possible qu'est-ce que c'est. En gros, League Finder pour le terme, donc League c'est les erreurs au poker et Finder ça veut dire trouver en anglais. Donc en gros, pour la personne qui va vous faire le League Finder, ça va être essayer de trouver des erreurs, des axes d'amélioration pour essayer de vous améliorer. Donc souvent ça se passe sous un format de 150, 200, 250 ou 300 mains. Souvent, la personne qui le fait bah, me contacte sur les réseaux sociaux qui veut faire un League Finder ou alors, comme là, avec le tournoi de la team, souvent la deuxième et la troisième place, vous gagnez des League Finder d'un nombre de mains précis. Donc voilà, à travers cette occasion-là, quand vous finissez deuxième ou troisième de ce tournoi, bah, vous pouvez prétendre à avoir un League Finder de moi-même sans prétention aucune. Et puis voilà, le but, c'est en fonction du nombre de mains qu'il y a, essayer d'améliorer un maximum la personne qui est avec moi, tout en lui posant des questions si elle est avec elle ou alors si je suis tout seul, lui faire une vidéo un peu comme YouTube. Voilà. Vous les amis qui sont en direct sur YouTube, vous êtes déjà une petite centaine, vous avez la chance de pouvoir poser vos questions maintenant. Pardon, qui sont en direct sur Twitch, vous avez la possibilité de poser vos questions maintenant, donc ça va être hyper intéressant de pouvoir le faire en direct aussi avec tous les viewers. Il y a déjà une centaine de personnes. Je remercie Plantafin qui est déjà là, Lich Money, Fred, Lixos, La Pastille, La Marmotte, Black Buller, Speed and Run et tous les autres. Bienvenue à tous, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude les amis, avant que cette vidéo démarre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner, c'est gratuit. Et puis sans attendre, on va présenter Jonathan qui est avec moi, donc à qui je souhaite le bonjour et la bienvenue. Salut Jonathan. Salut Mathieu, salut le chat, salut la communauté poker, salut à tous. Bon, parfait. Du coup, je te laisse te présenter, raconter en deux trois mots un peu ton parcours poker, si tu es une personne qui regarde beaucoup de contenu ou autre, comment t'en es arrivé à jouer ce tournoi, un peu me raconter un peu toutes tes émotions que tu as eues pendant ce tournoi, etc. Puis d'une manière générale, comment tu m'as rencontré, tout ça. Donc voilà, je te laisse à toi la parole. Ok, pas de souci Mathieu. Ben alors moi, le poker, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je joue au poker. J'ai toujours aimé le jeu-là. Je jouais avec des potes à l'époque quand j'étais plus jeune, mais sans plus que ça, quand je jouais normalement. Et avant le Covid, du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au poker. Comme on avait du temps pendant le confinement, j'ai commencé à vouloir jouer un peu sur Internet. J'ai essayé de regarder les contenus qu'il y avait gratuits sur Internet. J'ai commencé à regarder les dans la tête d'un pro sur Winamax, des contenus qui sont vachement intéressants, où on avait la vision du pro qui donnait son analyse, etc. Donc j'ai regardé tous les dans la tête d'un pro, j'ai regardé les high stakes pour les anciens avec les Dol Bronson, Phil Ivey, tous les grands joueurs, tous les grands noms du poker. Donc j'ai regardé énormément de vidéos sur Internet, j'ai regardé des vidéos de Kill Tilt aussi avec Peanuts et Chichi qui ont fait énormément de vidéos en contenu gratuit pour la communauté poker. Donc ça c'est vachement bien pour avoir les bases du poker. Tout le contenu possible et inimaginable sur Internet gratuit, entre guillemets, parce que pour l'instant, voilà, j'avais pas de bankroll pour essayer de passer une étape et passer par le coaching ou par des masterclass qui sont payantes, qui doivent être sans doute bien. Mais au début, je voulais commencer, voilà, par le contenu gratuit. Donc j'ai Ouais. regardé tout ce que je pouvais, le maximum de choses comme ça. Il y a l'école aussi, j'ai vu pas mal de contenu sur Nutser, qui est aussi une école de poker française. Pareil, j'ai bien aimé ce qu'ils présentaient. Il y a pas mal de vidéos sur eux, YoViral avec poker.fr, etc. Ça, c'était vraiment j'ai vu pas mal de vidéos, etc. Je suis tombé sur une de tes vidéos par hasard. Donc, à force de chercher du contenu, je suis tombé sur certaines de tes vidéos. Et ce qui m'a interpellé, c'est au niveau pédagogique, l'interactivité que tu as avec les joueurs que tu coaches ou les joueurs que tu commandes, donc quand tu commandes certaines mains, mais aussi avec les joueurs que tu as coachés. Donc j'ai vu certaines vidéos où il y a eu des belles perfs ou par des joueurs que tu coaches ou par toi-même aussi. Et j'ai vu au niveau du coaching que quand tu parles avec eux, que j'aime bien la façon que tu leur parles, la pédagogie que tu as avec eux.
Voilà, c'est ce qui m'a marqué le plus par rapport à tout ce que j'ai vu. C'est le contenu, entre guillemets, normal que j'avais vu, c'était beaucoup de mimétisme. En fait, on voit quelque chose, on essaie de le reproduire, mais on ne le sait pas, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors qu'avec toi, quand tu as un joueur, par exemple, c'est interactif, tu peux, voilà, essayer de synthétiser, de faire comprendre à la personne pourquoi tu fais ça, là, à ce moment-là, oui ou non, pourquoi telle décision, etc. Le fait des fois de demander le bottom des ranges, le haut de ta range, etc., ça permet à chaque fois au joueur de se dire, bon ben voilà, là, il synthétise à chaque fois en fait, il se dit, voilà, je suis dans telle position, je joue telle main, sur tel spot, je vais jouer comme ça, etc. Je pense que c'est les meilleures conditions pour apprendre, c'est ça, c'est avoir une interaction, de s'entourer de gens qui sont bons, qui sont positifs, qui... Ça peut être dans le sport, moi je suis un footeux, j'aime bien le foot, je sais que voilà, dans tout ce qu'on fait, si on... Même les joueurs pro, ils le disent, si on se rapproche de joueurs ou de gens qui sont bons, je pense qu'ils nous tirent vers le haut. Et toi, je vois que c'est ce que tu fais dans tes vidéos. Donc ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça que je t'ai suivi. Ok, bah c'est très Voilà, gentil en tout cas, merci beaucoup. y a pas de souci. Voilà, après c'est. du Du coup, coup, ben, je comment t'en es suis. arrivé à jouer ce tournoi? Du coup, t'as vu sur les réseaux sociaux un peu l'annonce du tournoi, ça s'est fait comment? Exactement, ben voilà, bon, en fait, du coup, donc, comme j'avais vu tes vidéos et que le contenu m'a plu, donc je me suis dit, je vais commencer à suivre un peu sur les réseaux, donc sur le Facebook, etc. Et donc, j'ai vu que tu présentais un tournoi Team La Pompe, et quand j'ai vu les lots, donc c'était 5 heures de coaching pour la première place et 300 et 220 en League Finder. Ouais. Du coup, j'ai dit, waouh, cool, ça. En fait, ce que je voulais à ce moment-là, c'est que comme j'avais vu pas mal de contenu gratuit, je me suis dit, voilà, j'avais envie d'essayer de gagner peut-être du coaching ou un League Finder parce que je me suis dit ça peut être vraiment intéressant. Ça me donnait envie voilà, d'essayer d'aller au bout du tournoi pour gagner ça. Donc du coup, je suis tombé sur les réseaux. Je me suis dit, tiens, bah, je vais m'inscrire. Après, je pensais jamais aller au bout, même s'il faut être positif. Mais je me suis dit, ça va, le chemin va être long. Et il y a des prises de décision. D'ailleurs, on va les voir à certains moments où à un moment donné, je fais un... Là, j'ai revu quelques mains et je fold certaines mains ou peut-être des folds très très tight, mais en fait, je suis dans l'optique vraiment de vouloir essayer d'aller au bout et de ne pas m'envoyer en l'air quoi, avec mes jetons. Et Donc, ouais, est-ce que, alors ce tournoi il avait réuni 200, je crois 240 personnes quasiment, ce qui est incroyable, en passant juste par un lien. Et ce que la plupart des retours que j'avais eu de ce tournoi, c'est que le niveau était assez relevé pour un tournoi à 2 euros et tout le monde jouait hyper sérieux. Donc ça faisait vraiment c'était un beau plaisir, ça a fait vraiment tournoi. plaisir. Ouais, effectivement, non, franchement, c'était un beau tournoi. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui te suivent qui ont dû être dedans. Le niveau, même pour un 2 euros de buy-in, franchement, ça avait l'air d'être quand même un tournoi assez relevé. J'ai regardé un petit peu quand on est arrivé en TF sur Charscope, je regardais un peu les joueurs, ce qu'ils avaient en level. Moi, j'étais à moins 100 euros, je crois, et profit. Il y en avait qui avaient 8K de profit, etc. Je me suis dit, oulala, c'est bon, bah, je Ah, vais c'est suivre ça, intéressant. Bah, mais quand t'as envie de jouer quand même. tu vas pouvoir profiter de ce League Finder pour poser toutes les questions que tu veux. Voilà, comme je disais un peu en intro par rapport à ceux à qui je fais des League Finder à distance, toi tu as la chance de pouvoir, sans prétention, être avec moi présent, donc pouvoir être présent avec moi et poser toutes les questions que tu veux. Et puis voilà, on va essayer de voir un maximum de mains. Super. Donc de base, il y a 384 mains. Ouais. On va essayer d'en voir à peu près 300. Donc, si tu en as noté au début des intéressantes, on va commencer par celle-là. Et puis après, on ira plutôt vers la fin pour essayer de voir un maximum de mains. Pas de souci. Bah Voilà. écoute, on peut juste faire par exemple la première main où je raise, elle va être assez rapide. J'ai As 9 suité au Ok, cutoff. alors, Il y a. Ouais. alors, désolé de te couper, mais juste ce qu'on fera en termes de méthode, je pense, c'est qu'au début, si tu as envie d'expliquer un peu pourquoi tu le fais, tu peux. Si tu penses que tu vas avoir un peu de mal à essayer d'expliquer ce que tu veux et que tu préférais que moi je développe tout ce que j'ai à dire sur les spots et que toi tu prennes des notes en recul, même si tu as la vidéo, je pense que tu la reverras vu qu'elle sera sur YouTube. On peut faire l'une ou l'autre méthode. C'est un peu à chaque fois, c'est comme en coaching avec les heures, je fais un peu celle que vous voulez. Il y a des joueurs qui apprennent mieux quand j'explique tout le thinking process et que tu vois dans l'image, ils se mettent dans un canapé, ils prennent du recul et ils prennent des notes. Que d'autres participaient en essayant d'expliquer leur coup. Et encore une fois, ce qui est important, c'est ce que tu aurais fait maintenant. Ce que tu as fait, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que c'est pas le plus important parce que c'est pas de te souvenir ce que tu as fait, c'est ce que tu aurais fait maintenant. Pour que, imaginons, des fois, je te dis une bêtise, mais imaginons que tu es une personne qui joue 6 tables en même temps. Je te donne un exemple, d'accord? Peu importe. Tu joues 6 tables en même temps, tu revois un tournoi, et si tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Bah, des fois, tu seras pas évidemment en accord avec toi-même.
Et tu vas te dire, ah, du coup, si je suis résultat orienté, vu que je l'ai gagné le coup, faut que je continue. Mais Oui, si non, si tu ouais, penses vraiment pour le bien de toi-même, c'est de se dire, j'ai fait une erreur que j'aurais pas fait d'habitude, peut-être parce que, je sais pas, pour X ou Y raison, je jouais trop de tables en même temps, tu vois, j'étais moins concentré, voilà, bon, peu importe. Bah, le but, c'est de le lendemain, dans l'image, de ne plus faire l'erreur. Tu vois un peu la démarche, du coup, ce qui est important, je pense, c'est de ce que tu aurais fait maintenant. D'accord? Ouais, Et ok, pas bah, ce qu'on je comprends. reverra de toi, même si on s'en servira de tes erreurs pour amener du contenu. D'accord? Il y en aura, hein, certainement. Pas de problème, t'inquiète Il n'y pas. en aura pas qu'une, je pense, mais Comme le dit à ouais, chaque c'est pour ça joueur, que même j'avais au dit après. début, hyper relâché, comme je t'ai dit un peu en amont, sans pression. De toute façon, évidemment, si tu ferais aucune erreur, le contenu serait pas hyper intéressant. Je te dirais, bon, Ouais, bah là c'est bien, là c'est bien, allez, salut! Donc tu vois, donc le but c'est que Ouais, tu non, fasses des erreurs pour y qu'il y a ait du pas de contenu. souci, y en aura, voilà, y a pas mal de décisions où j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire par rapport à ce que j'ai fait. Pas de problème. Là, Alors, ici, tu veux faire quoi et pourquoi? bah, je peux. Donc là, en fait, je suis au cutoff. Il y a un raise UTG 2.5. Moi, j'ai une bonne main, mais une bonne. En vrai, c'est une main qui, As-9, par rapport à As-5 ou As-2, As-3, As-4 qui peut faire des quintes. As-9, c'est une main forte sans l'aide. C'est une main forte post-flop, je pense. Et du coup, je décide de 3 bets. Ok. Bon, on a 200 blindes deep, donc on est quand même assez deep. Donc, je vais me faire call assez souvent. Après, je le 3 bets et bon, il va fold. Ouais, Mais alors, je pense que. encore une fois, ce qu'il fait, et même ce qu'il a fait, ne prend pas en compte dans ton thinking process. Pas de dire, tiens, il a 3 bêtes, il a fold, du coup, j'ai bien joué. Imaginons, j'aurais fait As 4 off, bah, ça n'aurait pas été bon, même s'il aurait fold. Enfin, même s'il avait Ouais. fold en français. Ok? Du coup, Ok. Ouais, ici, déjà, ce que je pas peux de te dire, soucis. c'est que par rapport au sizing, alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais un 3 bêtes en value, c'est que tu peux le faire en bluff. En bluff, ouais. D'accord? Donc, si tu le fais en bluff, est-ce que ce sizing-là, donc par exemple avec une main en bluff, genre roi dame off, roi valet off, ton thinking process, c'est jeu 3 bêtes en bluff. Donc, à ton avis, c'est pour faire fold mieux ou moins bien que ta main? Là, c'est pour faire fold mieux que ma Voilà, main. alors, Après, si j'ai roi dame off dans ma tête, d'accord? ouais, ok, Donc, si je fais 6.20, d'accord? Tu regardes bien 6.20 de manière visuelle. Tu regardes ce qu'il a mis lui, donc 2,50. Tu fais la soustraction. Combien il a rajouté en moyenne, on va dire 4,5. 3,5. 3,70 pour être précis. Ok? ouais. Donc, est-ce que des mains meilleures que Roi Dame off, par exemple, genre, je sais pas, des mains comme As-9, As-8 off, s'il les a open, des petits As-6 suités, des pocket pairs, tout ça, il va folder. Je pense qu'il ouais, je pense qu'il va fold, ouais. Même avec la cote, Si... je pense que ici, tu fais moins de fois 3 en termes de sizing Ouais, par rapport à sa mise. j'aurais Donc, dû faire légèrement plus cher, ouais, ok. voilà. Donc, au niveau des profondeurs, déjà, ce que tu peux retenir en termes de règle générale, c'est que plus on est profond, Ouais, plus il moi, au faut faire début, les cher. spots, ils ont de valeur de les prendre. Parce qu'évidemment, toi, vous avez tous 200 blindes. Et du coup, de prendre ce spot de 10 blindes, au mieux, genre, ça va te faire passer à 210. Mais du coup, que tu le perdes ou que tu le gagnes, ça ne change pas grand-chose. Donc, ce que tu vas penser, toi, en termes de liberté de pouvoir jouer comme tu veux, parce que vous êtes au début, ça va être aussi le cas des autres joueurs. Donc, en Ouais, gros, ils bon, vont ils se vont dire, folle tiens, moi, plus j'ai là. 200 blindes. Même si je me trompe sur mon call 3 bet et que je call trop large et que je touche pas le flop, c'est pas grave, il me restera 190 BB, en gros, en moyenne. Du coup, quand on est 200 blind deep à peu près, parce que généralement j'avais pu voir qu'on fait x3 quand on est en position et x4 quand on est hors position. Là, j'aurais dû faire un tout petit peu plus cher en position sur lui. J'aurais pu faire 3x5, 4x Voilà, alors d'une manière sur blind générale, deep. ce que tu peux te dire en termes de sizing de 3 bêtes, c'est que plus vous êtes profond, plus tu peux faire un peu plus que x3. Donc de base, tes sizing, c'est x3 en position par rapport à sa Ouais. mise et x4 hors position. Ok, Voilà, après, ça c'est pas marche bien. une règle que tu graves dans le marbre parce que je vais donner un exemple. Imaginons tes petites blindes contre bouton, vous avez tous que 30 blindes. D'accord? Bah, il open 2, ton 3 bêtes de value ou de bluff, il va être plutôt sizing à 7. Manière théorique. Ok. Donc un peu moins de fois 4. Pourquoi? Parce que quand je vais faire 7 blindes sur son open de 2 blindes quand il jouera 30 deep, tu me Ouais. suis? Bah, je vais Oui. l'impacter autant que si je vais faire fois 4 en termes de sizing quand il jouera 40. Ok, En gros, ma fold ouais, equity sera la on même. stack size. Ok. J'ai oublié de te dire pardon, Jonathan, mais s'il y a un terme ou autre que tu comprends pas, vu que de base, t'es pas un joueur que je coach, moi, je connais pas encore ton niveau. S'il y a un terme ou autre, ou si ça va trop vite, le contenu de base, il est fait pour toi. Donc, n'hésite pas Pas de souci. à m'interpeller, à me couper, même si tu me coupes la parole, c'est pas grave, à me poser une question ou autre, d'accord? Ouais, pas de souci, Ok, nickel. alors ce qu'on fait, c'est qu'on avance du coup l'action et il a foldé. Ouais, Donc, ce donc que tu là, peux ouais, c'était retenir, juste pour un peu, ouais. il a collé d'ailleurs, il a pas foldé. Mais ce que tu peux retenir, c'est qu'il Autant pour faut. moi, Il faut faire un peu bah, plus je que vois un x3, truc. d'accord? Ok, ouais, il a call. Ton sizing, c'est plutôt 8, 8,5, d'accord? Donc Ok, ça ici, sa marche. range de call, ça va être quoi? Souvent, il faut ici que tu arrives à détecter ce qui va te 4 bet de Bah manière là naturelle. je le cap sur bah, des PP, connecteurs suités ou des ASICS aussi qu'il peut avoir.
Bon, j'en ai un en main, du coup, ça en enlève chez lui. Mais ouais, il peut avoir des Broadway suités, des connecteurs suités ou des PP. Ok, Et il ouais, peut c'est avoir bien. aussi des mains Alors, fortes. d'une manière générale, tu peux direct identifier, si tu veux le faire un peu plus précisément, ce qui va canbet. Donc là, je vais te montrer l'exemple pour que tu essaieras de le faire la prochaine fois. Je pense en termes d'étapes de comment il faut que tu penses, sans prétention aucune. En tout cas, moi, je vais te montrer comment je fais, tu vois. Ici, je détermine direct sa range de 4 bêtes, qui va à peu près faire 100% en fréquence. Ça dépend des gens, hein. Il y en a, ils vont call en trap, mais pour call en trap, alors que vous êtes 210 et que le pot, il va faire que 15 blindes, souvent, quand on te trap pré-flop, c'est-à-dire qu'on ne 4-bet pas une main naturellement, qu'on doit 4-bet, genre 2 dames, 2 rois, 2 as, c'est pour que on puisse maximiser notre value et tout lui prendre post-flop. Sauf que là, même si vous mettez les sizing de l'année, il y aura pas, vous serez pas PSB, genre tu vois, tu pourras pas tout lui prendre quasiment, sauf setup. Tu comprends? Parce que vous êtes trop profond. Donc la Ouais, mais plupart des bon, joueurs vont vouloir 4 bêtes. Donc ils vont 4 bêtes quelle main? Déjà, de manière générale, ils vont 4 bêtes. Deux dames, deux rois, deux as tout le temps. J'ai l'impression, as-roi, pas tout le temps. As-dame, suité, pas tout le temps. Certains tout le temps, d'autres jamais. D'accord? On va dire du coup, le haut de leur range, c'est des as-dames, des as-rois, des 2-10 de valet. Je pense que deux dames, deux rois, deux as, tu peux exclure. D'accord? Donc ensuite, il lui reste toujours des mains pas assez fortes pour 4 bêtes, pas assez faites pour passer. Donc les mains que tu as identifiées en résumé, des broadway suités, style dame 10, dame valet, dame 9 suit, tout ça, des connecteurs suités assez hauts, genre 6, 7, 7, 8, 8, 9 en suité, 9, 10 en suité aussi, des as-6 suités. Donc toujours pareil, si je pense que as-dame suité plus, as-roi suité, souvent il y en a, ils j'aurais prennent en 4 4 bêtes. bêtes, bah, le haut de sa range c'est as-dame, as-2 suit, pareil, des as-valet, des as-dame off. D'accord? Ok, c'est les informations que tu as ici. Du coup, le flop, il vient. Flop 10-6-2, on n'a pas de cœur. Il n'y a pas de Ouais, j'ai pique au pas le flop. cœur, j'aurais peut-être dû check pour parce que j'ai un peu de showdown avec mon as, mais bon, comme on a assez dit, on est en début de tournoi, c'est la première main, j'ai c'est bête un tiers comme je l'aurais fait avec deux valets, deux dames, avec des mains, avec deux cœurs en main, donc j'ai c'est bête un tiers et en pensant faire fold parce que bon, je pense que j'aurais dû check, mais comme j'ai pas de cœur pour pouvoir continuer à attaquer à la turn. Mais j'ai CBT à tir, je pense que c'est par rapport aussi au stack que j'ai. Ok. J'ai CBT à tir pour faire Alors c'est check bien, des t'essayes flaps. à chaque fois de t'expliquer tes coups, mais comme je t'ai dit au tout début, c'est pas méchant, hein, Jonathan, mais tu te focuses trop encore sur ce qui s'est passé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te dire directement moi. Je pense que ça va être mieux. Comme ça, tu Pas de souci. t'interviendras pas, sauf si tu as des questions sur ce qui s'est passé. Moi, parce qu'encore une fois, moi, Bah. je pense que sans prétention aucune, c'est pas le plus important. Tu vois, par Ok. exemple, ici, imaginons tu sais bet, il fold, t'as gagné, pas se dire, bah, il a foldé, j'ai bien joué le coup. Encore une fois, c'est de se dire, Non, j'ai non. ces bêtes pour telle raison, elles ont été valables, je pense que je suis OK avec moi-même. Si j'ai ces bêtes et que je n'étais pas d'accord, ce qu'il faut que je retienne, c'est pourquoi et quelle raison je ne dois pas et pourquoi je ne dois pas ces bêtes. Parce que la prochaine fois le nombre de fois où je vais répéter ce spot qui se reproduira dans le futur, je vais imprimer de l'argent, OK, dans l'image, donc de manière imagée, en le refaisant. Donc toutes ces actions-là, pour les bonnes raisons, le plus souvent possible et le plus longtemps possible. D'accord? Donc ça va être en résumé, ça va être ma manière à bien analyser ces spots-là et à pas faire l'erreur sur le long terme, fois le nombre de fois où je vais jouer ce spot, que je vais imprimer tant de V en gros, toi, tu vois, tant d'intérêt à faire ce play et pas réellement que sur un spot. Encore? Encore une fois, c'est pas très important, d'accord? Après, comme je le dis pour chaque joueur, même si vous abordez pas le jeu de manière professionnelle et que vous vous amusez ou autre, bah, il n'y a pas réellement de choses négatives à faire ça. Mais comme tu m'avais dit en intro un peu, et ce que tu as dit un peu à la communauté, tu es une personne qui cherche toujours à progresser. Donc je pense que d'une manière pour progresser, il vaut mieux t'amener des attitudes et des aptitudes de haut niveau que l'inverse, même si tu n'en vis pas encore de ce jeu, tu vois. Même si ça serait par exemple jamais un objectif, quand tu veux aborder les choses de manière sérieuse et que tu veux toujours monter les étapes, progresser dans ton jeu, vaut mieux que tu retiennes ta progression personnelle que le résultat. Tu vois, de manière générale, c'est comme au foot, tu peux dominer tout le match et perdre. C'est pas pour autant que tu vas te dire, tiens, j'ai perdu, je suis pas bon. Au Exact. contraire, des fois, le résultat, c'est moins bon que le contenu. Ça, tu le sais très bien, tu vois. Ok, donc c'est un peu pareil dans l'image au poker. Ok, d'accord? Pas de Du coup, souci. ici, t'as ces bêtes un tiers, donc ici tu feras fold de quoi mieux que ta main, à part As Valet off et As Dame As Roi qui l'a joué comme ça et qui fold sans backdoor. Tu feras pas fold mieux que ta main, sauf paire de 5 à paire de 3. Est-ce qu'il va folder très souvent ces mains-là? Non. Parce que directement mieux que ta main, d'accord? Mieux qu'As 9, c'est As Valet, As Dame As Roi, et si c'est pas des hauteurs As, c'est des pocket pairs. D'accord? Donc des 6x, des 10x, des 2x, ils folderont pas. Et des pocket pairs, genre paire de 5 à paire de 3, ils folderont pas. Non plus, très souvent, parce qu'ils ont backdoor straight draw, surtout s'ils ont un cœur en main. D'accord? Donc ici, l'intérêt de ces bêtes, comme on pourrait dire, c'est de faire fold toutes les mains qui n'ont pas touché chez lui. Genre valet-dame, roi-dame, roi-valet, je sais pas, genre quelle main il a pas touché, genre as-3, as-4 suit, tout ça. D'accord? Si tu penses que toutes les mains que tu domines, que je viens de citer, quand tu check ici, si elles n'ont pas d'amélioration sur leur main, genre une main comme dame-valet sur un 4, va jamais transformer en bluff, je pense qu'il faut pas transfo.
T'as des meilleures Ouais, mains je de moins bonnes en t'ajoute hauteur à transformer où tu pourras faire fold mieux que ta main. Genre, je te donne un exemple. Imagine, t'as 3 bêtes, roi 9 de cœur, tu vois, par un. exemple. T'as 3 bêtes, tu sais bête un tiers parce que t'as flush draw, et en plus, vu que t'es en semi-bluff, il y a bluff dans ta main, tu peux faire fold du coup Mieux que mieux que moi, ta mieux que main, moi. vu qu'il y a bluff, Ouais. d'accord? Et du coup, si je suis en semi-bluff et que je peux faire fold mieux que ma main, est-ce que je peux faire fold tous les As-3, As-4, As-5, As-7, As-8, As-9, As-Valet, As-Dame, As-3? Oui. Oui. Tu vois, et ma main en termes d'hauteur, elle est encore assez faible pour faire fold mieux que ma main. Et aussi, au cas où je suis call, j'ai de l'amélioration. Tu vois un peu la différence? Ouais, Alors que là, c'est. ici, j'ai As-9, mieux que ma main et direct des paires. Ouais. Tu vois? Donc, l'intérêt de faire fold cette main, pour que tu retiennes vraiment l'intérêt, c'est de faire fold mieux que notre main. Si tu penses que c'est pas possible, enfin, moins bien que notre main, si tu penses que c'est pas possible de pas faire fold mieux que notre main et que les mains qui sont moins bonnes vont pas assez transformer, tu peux checker. Et commencer à miser plutôt quand il y a un pick au flop où tu puisses attaquer plus de turns que celle-là. Là, ici, tu vas Ouais, attaquer quel turn? Des 7, des 8, mais ça rentrera quand même dans sa range. c'est compliqué, ouais, je crois Des que je valets, vois. des dames, des rois, des as, c'est à peu près tout, tu vois, des 9. Du Ouais, coup, bon, bah, c'est. l'intérêt, c'est juste de faire fold des mains. Je pense que tu peux retenir le c-bet quand il y a un pick au flop, genre priorité, et des boards plus secs, genre déjà, un board comme 10-4-2 Rainbow. va être beaucoup plus sec que 10-6-2 avec Ouais. deux cœurs, t'en as pas, tu vois. Ouais, et Parce flop qu'encore une fois, Rainbow, si... peut-être. Pardon de te couper, hein, Jonathan, mais pour aller au bout du truc, si ce flop-là touche pas ta range, c'est qu'il touche beaucoup là. Range de l'autre, ouais. Voilà, tu vois, d'une manière générale. Donc, Ouais, ça ne veut pas dire que forcément il a touché ce spot-là, mais sur le long terme, c'est comme ça, tu vois. Je pense pas ouais. que ça gagne beaucoup d'argent de ces bêtes ce spot avec ce combo, en tout cas. Par contre, pour les raisons que tu viens de dire, évidemment, tu arriveras à faire fold les mains qui n'ont pas touché. D'accord? Ok. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'il y a 380 mains. Du coup, je vais mettre à la main à peu près. Dans la 4, je vais mettre à peu ouais. près à la main 80-90 et on va au bout. Il y avait une main juste 29, et après, si tu veux, on peut aller Ok, vers la parfait. fin. Parce que la Alors, 29, ok, je c'est te il y dis a une directement grosse. ce que j'aurais fait. Alors, ici, il open. D'une manière générale, très très profond, ce que tu peux retenir, c'est qu'on peut 3 bêtes, 2-10 plus à partir d'MP. Ok. 2-9 plus à partir d'hijack, 2-8 plus à partir de cutoff, 2-7 plus à partir de bouton. Donc par exemple, bouton contre MP, ça va être 2-10 plus. Bouton contre cutoff, ça va être 2-9 plus. Très Ok. profond, donc je parle de très profond, ça va être 60 blindes ou plus. Ah ouais, ok, ça marche. D'accord? À partir de cutoff, ça va être 2-8 plus. Donc par exemple, la seule fois où tu as 3 bêtes 2-7, c'est SB contre bouton, à ces profondeurs. Tu vois, que tu pourrais en tout cas, théoriquement. C'est-à-dire que tu peux pas fold, tu peux pas call, d'accord? Ouais. Ok, donc là il open, on a deux solutions, soit en 3 bêtes, soit en flat. Si on 3 bêtes, évidemment, du coup, le sizing c'est 8 blindes, 8 blindes et demi, comme on a dit, un peu plus que x3, qu'on Ok. s'envoie en bluff. Quand tu es Voilà, en j'ai bluff, flat. t'as plus de fold equity par rapport à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et quand tu es en value, ce que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, pardon, tu maximises ta value. Ça veut dire que tout à l'heure, au lieu de faire 6 blindes et demi, s'il me colle aussi bien, très souvent 6 blindes et demi comme 8, 8 et demi, je perds de la value avec 2 as, ça va pas faire 8 et demi. Pré-flop Ouais. déjà, tu vois, même si c'est un détail de 2-3 blindes, pardon. C'est important. Ok, ta call. La poutre, il squeeze, donc ici, il squeeze ici x4. Donc déjà, par rapport à ce que je t'ai dit, les sizing de squeeze à sa place, c'est hors position, c'est combien? Hors position, x4, bah, un peu Alors, plus tes du coup, sizing du de coup. 3 bêtes, c'est x3 en position et x4 hors position. Donc tes sizing de 3 bêtes, dans mes mots techniques, c'est quand il y a un seul joueur qui a parlé avant toi, qui a open. Quand il y a open et call avant toi, ton terme, c'est un squeeze. Ok. D'accord? Donc quand je squeeze en position, ça va être x4. Ouais. Et hors position, ça va être x5. Ouais, il faut faire plus cher Donc pour là, à sa éviter de donner place, il faut la faire, je cote pense, au 12,5, bouton. 13. Ok. Au minimum 12,5. Et après, j'applique le petit mémo technique que je t'ai dit avant. Plus on est profond, plus on peut faire un peu plus cher. Ok, Parce que tu calls pareil, fold pareil. Donc là, je pense qu'il faut quand même call. Alors, en termes de règles, ce que je peux t'amener déjà en termes de règles, c'est que paire de 6 à paire de 2. Pour ces mains-là, pour savoir si tu as la cote ou pas de call avec tes pocket pairs, donc principalement paire de 6 à paire de 2, ça va être en position, l'argent que j'ai à rajouter, faut que je puisse c'est lui prendre 8. Ouais, 10 c'est pour fois plus miner. que ce que j'ai Faut à qu'il ait rajouter. 75 blind deep au moins. Alors, 10 fois plus, donc là, j'ai 7 blindes et demi à rajouter, faut que je puisse au moins être 75 deep. Si Ok, c'est ouais. hors position, c'est x15. Faut que je puisse lui prendre 15 fois plus que ce que j'ai à rajouter. D'accord, ok, fois Ok? 15 en position. Alors, pourquoi des fois, par exemple, je sais pas, pourquoi des fois 50 blindes deep, 2-8, 2-7, ça pourrait être un call alors que t'as pas forcément la cote directe avec ce calcul-là? C'est par rapport à paire de 6 et paire de 2. À paire de 6 à paire de 2, la valeur de ta main la plus forte, c'est de faire brelan ou rien. Genre, quand t'as paire de 6, le board vient trop rarement hauteur 5. Ouais. Tu me suis un peu? Alors que Oui, si oui. t'as 2-7, 2-8 plus, en plus de faire brelan autant de fois que paire de 2, paire de 3, paire de 4, tu peux faire des bonnes top pairs ou des over pairs. Exact, C'est ouais, pour ces raisons-là sur que un des petit fois, avec ces flop, ouais, mains-là, je on peut peux quand même se permettre toucher. de call. Ok, Jonathan?
Ouais, pas de souci. T'hésites pas, hein, comme d'habitude, si t'as des questions. Donc tu calls, ça me Ouais, je va. colle. Alors, ici, sa Après. range. Donc d'ailleurs, Ouais, d'abord pour sa vas-y. range préflop. Donc pour finir, sa range préflop ici, elle comporte des bluffs comme des rois dame off, roi valet off, je sais pas, des rois valet, roi 10, roi dame suité, je sais pas, des as dame, des as valet, des as 10 off. Sa range value, ça va être des 2 10, 2 valet plus, as dame off plus, as valet suité plus, as roi off aussi. Donc, à ces Ouais, mains-là à peu près. bah, c'est ce que j'avais en tête quand j'ai joué le coup, voilà, toutes les Ok, donc mains-là. c'est bien. Donc arrivé au flop, des 10, il n'y en a pas une tonne à part des As 10, Roi 10 suit, Dame 10, Valet 10 suit, des mains comme ça. Des 8, il n'y en a pas quasiment à part As 8 suité. Il faudrait qu'ils squeeze des 8, 9 suit et tout. Je pense pas que ça va être donné à tout le monde, surtout qu'on les bloque nous, avec Je notre pense 9 en qu'il main. ouais, voilà, je sais pas, il Et peut avoir As-9, As-9, ouais, il peut qui avoir des As traite 9, des en As 10, bluff un As 6 peu. suité, Ou... des As 7 suit et tout. Il peut avoir encore en range value des 2 valets plus. Par contre, il peut avoir des bluffs, genre des As dame, des Rois dame, des Rois Voilà, valets, tout exact. ça. Il fait un tiers, bon, aucune raison de raise, il faut call. Si on raise, on Ouais. va lui faire fuir toutes les mains qu'on domine, qui n'a rien touché. Ouais, il y a des dames valets en bluff encore. Parce que, eh bien, à ce moment-là, en fait, je me dis, c'est que j'ai pas le 9 de trèfle. Du coup, je bloque pas des mains du style valet 9, dame 9 qui aurait pu 4 bêtes un peu en bluff préflop. Enfin, squeeze, ouais, Donc, squeeze préflop. Après, n'oublie pas je que tu les squeeze bloques quand même préflop. avec tes 9 en main. Ça Ouais. arrivera Oui, moins je souvent bloque qu'il une ait valet partie 9, dame 9. Et comme pour. je t'ai dit, quand je te dis que quand il squeeze préflop des possiblement mains comme dame valet, valet 10, dame 10 suité, tout ça, la plupart vont les défendre préflop. Ouais. Théoriquement, ce serait conseillé de les squeeze ces mains-là, mais pas la population, elle va pas les prendre assez. D'accord? Ok. Donc, call, encore une fois, ce que je te disais pour finir, c'est que si tu raises, tu vas faire fold toutes les mains que tu domines et tu vas t'isoler contre les mains qui te dominent, quasiment à part des straight draw, flush draw et des 8x. Turn roi, bon, il est censé 2 barrel des bluffs, des as-dames, des as-valets, des 9x, des 7x, genre as-7, Dame as-9 valet. suit, des flush draw à trèfle, des flush draw à pique. Bon, ce qui est relou ici, c'est que t'as un tirage quinte, mais que Ah, tu j'ai peux pas déjà beaucoup être crush par des d'équité. rois-dames, des as-rois, des rois 10 suit, des deux rois, des deux dames, deux as qui va continuer à miser. Souvent ici, il y a deux flush draw, donc quand le mec ici fait 16 dans 40, alors qu'il y a deux flush draw, c'est soit il a une main hyper forte, tu vois, genre roi X de trèfle, genre Ouais. as-roi de trèfle, roi-dame de trèfle, deux as, ou Deux as soit de il a une roi. main intermédiaire, ou genre il veut value mais il sait pas trop combien, genre par exemple avec un 10, avec un 8, avec un 6, avec des mains comme deux valets, deux dames, en gros si tu te mets à leur place et que tu interprètes son sizing, ça va être je veux miser, je sais pas trop combien, je suis pas sûr d'avoir la meilleure main, mais j'ai pas envie de checker, tu vois, du coup je mise Ouais, 16 en 40, parce que il fait son souvent... sizing. Généralement, sur deux, il y a deux flush draws qui s'ouvrent. J'aurais pensé qu'il aurait fait un tout petit peu plus cher. Du coup, sur sa main, j'ai une petite idée à ce moment-là. Du coup, c'est pour ça que je colle un peu. C'est un peu light le call parce que j'ai pas du tout la cote. Je joue 4-7 de 9. Au niveau de la cote du pot, il faudrait que j'ai au moins 30%, 28%. En fait, souvent, les 7x, 9x, genre As-Dame, As-Valet, ils vont se servir de ce roi-là, que tu vois avec ma Pour souris, bluffer. pour te faire folder 8, des 6, des paires de 9 à paires de 2. Donc en gros, ils vont servir de cette carte-là qui te met des pressions sur toutes ces mains-là en misant cher. C'est pour ça que quand ils font un autre sizing, c'est ultra polarisé entre des mains ultra fortes ou Ou intermédiaires. trop faible, ouais. Donc ici, je pense que c'est... mieux de folder parce que t'es soit contre une main qui veut s'amener la showdown river des 10, des 2 valets, des 2 dames, des mains qui sait pas trop s'il en value ou pas mais qui te domine quand même, ou soit Ouais. t'es crush par une main ultra forte. D'accord? Ouais, Des je veux bluffs, ça polariser sera aussi assez par rare rapport. qu'ils bluffent quand même ces mains-là, sauf c'est possible, hein, des as-dames, as-valets, ils jouent comme ça, mais c'est souvent qu'ils prévoient de t'en mettre 3 dans tous les cas, qu'ils aient touché ou pas. Donc toi, si river ça fait 2, si tu call ici, c'est que tu dois call quand même river, aller au bout de ton truc. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas call turn, river 2, il va faire tapis, tu vas fold. Ok, tu vois ce que je veux dire? Du coup, t'as call, on voit river, t'as fait quinte et t'as fait tapis. Bon, bah, je vois pas pourquoi enfin, comment tu pourrais fold ici maintenant après avoir joué comme Là, ça. il y a deux choses qui me font coller. En fait, maintenant, je bats toutes les paires. Donc, paire d'as, paire de roi, paire de valet, même toutes les paires et tous les brelans, je les bats tous. Ouais. Ça fait pas mal de combos. Si on compte de paire d'as à paire de valet, les combos de paires, il y a à chaque fois 6 combos de paires. Donc je bats pas mal de combos. Les combos qui me battent, en gros, c'est les combos suités. Donc dame valet suité, roi valet suité, as roi, as dame. Mais à chaque fois, il n'y a qu'un combo de as valet, as roi, as dame. Alors que les combos en off, il y en a beaucoup plus. Il y a 12 combos de off. Donc en faisant à peu près en faisant 4 river, je me dis, je bats beaucoup plus de mains à la turn. Je pense que j'aurais dû fold, mais quand je revois Ouais, la partie, ce mais qu'il faut que là, tu retiennes, je j'aurais pense, c'est dû qu'il fold. faut fold turn parce que les mecs vont trop peu bluffer sizing. Et si c'est le cas, dans tous les cas, ils vont t'en mettre trop souvent 3. Voilà, c'est ça. Et Et là, du t'as coup, touché vraiment une des meilleures parce que à part des 7, si turn ça fait river, ça fait 9, t'es pas ultra content.
Voilà, du coup, par Après, rapport au nombre de combos suités qu'il peut avoir, il y en a beaucoup moins, parce qu'à chaque fois, il n'y en a que un. Donc, que ce soit As-Roi, As-Dame qui l'aurait cadré, c'est top. Mais après, en off, il y en a beaucoup plus. Et donc, par rapport à ça, et il y a un autre aussi, comme quoi il y a quelques petits tells, les time tells. À ce moment du tournoi, je me souviens maintenant, parce que je l'avais noté, il chope directement sur le trèfle Ouais. river. Et j'ai tendance à voir quand je joue. Que généralement, quand on est nutsé, si par exemple là il a Dame Valet de Dame Roi Trèfle, on tanque un peu pour induce qu'on n'a pas une main forte et il chauffe direct. Et à ce moment-là, je me dis, bon, ben, je sais pas, je prends ça en compte, plus les combos que je bats, Ouais, je je bats comprends ce plus que tu veux volant et je dire. prends la Ça fait décision. partie de ton seeking process. Après, la prochaine fois, je pense, en termes de conseils, Je vais pas ne te flusher fie en fait. pas au timing tell, sauf si tu as une info vraiment sûre sur le mec. Parce qu'il y en a, ils font flush, ils font tapis dans le même temps. Ouais, Tu je vois? trouvais que Ce qu'il faut que tu te c'était dises dommage d'être plutôt, c'est que tu nutsé. réfléchisses en termes de mains qui te battent. Et vu qu'il t'a squeeze préflop, des Ouais. trèfles, il faut absolument qu'ils soient hauts. Tu vois? Genre, les mecs vont pas de 3 à te squeeze 6, 5 de trèfle très souvent. Donc en vrai, Ouais. c'est des 9x de trèfle, donc des As-9 de trèfle, tu les bloques quand même. 9 et 8 de trèfle, à mon avis, c'est pas possible parce que c'est là, As-Dame, As-Valet, c'est sur As-3. le board. Donc ça va être des Dames-9 de trèfle, je pense pas qu'ils vont le faire. Valet-9 de trèfle, je pense pas qu'ils vont le faire, des squeeze ces mains-là très souvent. Donc ça va être que des Rois-Dames-Suit, As-Dame-Suit, As-Valet-Suit à As-Dame, trèfle. Pas ouais. beaucoup de combos, tu vois. Et il a pas On beaucoup va de pas aller avec 9x vu que la tu les fleur. bloques. C'est ça qui me ferait plus souvent call et pas me dire, tiens, il a un timing tel ou autre. Je pense faut que tu réfléchisses plus Non, en non, termes de range quand même. c'était qu'une variable que Ouais, j'ai en vue, plus, mais hein. Alors, c'était garde-le en plus plus, des combos. en petit bonus, au cas où t'as une info sûre sur le mec. Genre, t'as un tel sur lui où le mec, quand il snap chauve, à chaque fois, il a rien. Mais pas parce que t'as vérifié qu'une fois. Hein. Même si Non, tu non, vérifies là et qu'il là. a rien, faut pas que tu te dises, tiens, je prends la note, chauve direct, en bluff, c'est tout le temps ça. Parce qu'il y en a, Non, tu non, sais non. pas, mais si tu lui mets deux trèfles, il chauffe pareil. Faudrait que t'aies plusieurs échantillons pour contrôler ça. Ouais. Après, D'accord? ça c'est minime, hein. C'est pas ça qui me fait prendre la décision de call. C'est plus par rapport les combos que je le vois sur des As-3, As-Dame off avec un trèfle en main, en fait, le roi de trèfle, ou l'as de trèfle, ou la dame de trèfle, ou le valet de trèfle, ou toutes ces mains-là qu'il aurait Ok, fait tapis pas de en. problème. Donc il avait As-Dame. Ok, donc Ouais. voilà. Donc As-Dame, As-Valet, souvent ils sont censés faire plus cher, sauf quand ils vont t'en mettre 3. Donc retiens que le call à la turn n'est pas incroyable. Non, ouais, Parce que quand t'es celui-là, devant, je. il va t'en mettre 3 très souvent et qu'il est touché ou pas river. Et quand il t'est, bah évidemment, le reste du temps, t'es tout le temps derrière déjà. Ah ouais, la turn, quand je revois la main, j'aurais folle, mais Ok, alors parfait. Donc je vais me c'est mettre à top. la main 90 et à partir de ce moment-là, je te dis à chaque fois et tu me dis si t'as des questions. Le but, c'est pas de Pas te de soucis. souvenir encore une fois ce que t'as fait, d'accord? Plutôt de ce Ouais. que t'aurais fait. Là, c'est le valet dame off plus le bottom dans les off et valet 8 suité plus, d'accord? Donc là, petit mémo technique, tu pars de MP, tu trouves d'abord ton bottom en MP dans les valets off et après tu décales. Là, t'as de la chance, c'est que dans cette famille de mains-là, c'est pas dans toutes les mains, mais là, ça décale que d'un cran. Donc en gros, ça fait Ouais, dame valet donc off plus dame valet, ici, dame 10, dame dame 10. Dame 8, voilà, on voit que tu regardes pas mal les vidéos. neuf. Hey, les gars, il est C'est là vrai l'abonné le plus que fidèle. Je je comprends pourquoi il a fait deuxième. Non, regardais pas mal, ouais. C'est pour ça, ouais. J'ai essayé de noter le maximum d'infos que je pouvais avoir. Ah, c'est bien, parfait. Du coup, paire de 4. Ici, l'open. Donc, pareil, niveau des 3 bêtes, tu peux commencer à 3 bêtes. Alors là, 37 blindes, il faudrait 3 bêtes call à partir, je pense, de. Ouais, on va dire 2-9, 2000. 2-10 plus. Ouais, 2000. Ouais, je pense que tu peux prendre As-Dame off plus, As-Roi off, As-Dame suit pour certains. S'il est très aggro, tu peux prendre As-Dame off plus, As-Valet suit. Sinon, tu te défends à ces mains-là, c'est bien. Bon, on a un carreau en main, il a des bluffs, valet 9, valet 10, 9, 10, 4, 5, 5, 6, des gros carreaux, genre as de carreau, dame de carreau, roi de As-Valet avec un carreau. carreau en main, le roi dame avec un carreau en main, il y a plein de bluffs. Et puis ça Yes. touche plus ma range que la sienne, je pense, sur un flop comme ça. Ouais, et puis ça va être facile à jouer parce que ici, toutes les mains qui te battent elles vont deux barrels chez lui, genre les 8, les 7, les 9, 9 à 2 as, carreau ou pas carreau, il va deux barrels. Les gros carreaux, ils vont souvent deux barrels, donc quand il check, souvent il est capé. Ah, ici, ce qui est intéressant, c'est que t'as donk bet. Donc ici, quand tu donk Ouais. bet, c'est parce que l'avantage de raid, tu penses qu'il est plus chez toi que chez lui, c'est pas tort. Par contre, Ouais. ici, toujours te demander à chaque fois ce que tu fais. Donc si c'est un value, si t'es en value, si t'es en bluff, est-ce que tu veux obtenir par rapport à ça? Donc En ici, fait, je donk bet en value, en bluff. j'ai peu de plus pour protéger parce qu'en fait, je me dis que le flop, le board touche plus ma range que la sienne et je veux faire fold ou plutôt des mains du style, ouais, une main off avec un carreau en main, une grosse carte qui pourrait me battre. Là, pour l'instant, je suis devant quelques mains Une et main comme laquelle, tu dirais? Genre par exemple, As-Dame avec l'As de As-Valet, carreau? Roi-Dame avec un carreau en main qui, si y a un carreau river, je perds le Ok, coup. alors là, parce que t'as ce sentiment-là encore que tu veux gagner tous les coups, c'est pas nul, mais c'est pas bon. Alors, c'est ce qui arrive souvent au début de tous les joueurs que je rencontre, au début de la plupart de ceux que je forme au début, c'est que, étant donné que tu joues peu de tables en même temps,
Souvent, hein, ça ne veut pas dire forcément toi, mais la plupart des joueurs, étant donné qu'ils ne jouent pas assez de tables en même temps, ils pensent que s'ils jouent deux tables, il faut gagner tous les coups pour aller au bout des tournois. Tu vois, c'est un peu un sentiment humain, mais étant donné que c'est pas ça, parce que la plupart des pros envoient beaucoup de tables, au moins 4, 6 en même temps, jouent X tournois par soir, genre 20, 30, et X tournois de plus que vous par mois, donc ont besoin de moins gagner les coups tout le temps et plus jouer les plays à chaque fois qui rapportent le plus de V. D'accord? Ah ouais. Donc ici, je pense que ce qu'il faut te dire, c'est que donc bête avec cette main-là pour faire fold juste des mains qui ont rien, ne t'attends pas à faire fold des rois dames avec le roi de carreau. Genre tu lui dis t'as 3 à mettre dans 15, tu penses que réellement ils vont fold un roi de carreau là ou dame de carreau? Ou même valet de carreau ou même 10 de carreau, tu penses qu'ils vont fold? Ouais, je pense pas. Après, Donc il se dit qu'il encore a une un tirage, fois, du coup ouais, un bon j'attends, s'il tirage fold de pas ces joueur. mains-là, tu fais fold que des mains qui n'ont rien du tout. Genre par exemple, Roi-Dame, je sais pas, Roi-Dame avec Roi-Dame noir, ou je sais pas, une main qui est assez bête, qui a rien du tout, genre As-10 noir, ou ce que tu veux. Toutes les mains qui n'ont rien, que tu vas faire fold maintenant, si tu checkais, elles auraient fait quoi? S'il a rien, je pense qu'il peut checker. Ouais, Après, il va c-bet, c-8, c-7, donc c'est. si check avec des mains qui n'ont rien, les autres mains, tu les identifies pas vu qu'il les a, tu dis qu'il les a pas. S'il a vraiment rien, donc il a pas du tout touché le board, ni aucun backdoor, ni rien, il va beaucoup checker, et du coup, bah, je sais pas, je t'imagine un 2 de carreau à la river, tu check, bah, toutes ces mains qui n'ont pas de carreau ni rien, n'ont pas forcément transpo, ils vont check, parce que toi, tu peux avoir tous les carreaux du monde, et si au cas où il bet, bah, il a pas de bluff, vu que ces gros carreaux, comme tu le sais, là, ils vont souvent te barrel, si tu donc bet pas. En tout cas, ils folderont pas. Si tu donc bet, d'accord? Donc si turn ça fait carreau et qu'il check, enfin que tu check et qu'il bet, je pense qu'il faut que tu fold quand même. Parce qu'il y a des fois où il aura pas de carreau, mais en jouant comme ça, je pense que tu représenteras pas mal de deux paires et tout. Je suis même pas sûr qu'il s'attendra à te les faire fold, tu vois. Donc check fold, t'as une décision facile. Et au cas où, ici, tu check et qu'il check et qu'il a souvent abandonné, même si turn ça fait carreau, river ça fait carreau, ça veut pas dire qu'il avait beaucoup de combos avec un gros carreau. Parce que souvent les gros carreaux vont deux barrels, tu vois, s'ils ont commencé à assez bête. Et pour moi, ils auraient check dès le flop pour commencer à bet bet. Donc ici, en fait, tu donc bet une main qui a déjà trop de showdown, qui est déjà trop souvent devant des mains qui n'ont rien du tout. Et tu feras pas fold assez des mains qui sont devant toi si t'es en bluff. Donc des 5, des 5x, des 6x, enfin, des 7, des 8, des paires de 9 à paire d'as ou des gros carreaux, ils vont jamais folder. D'accord? Donc en gros, retiens ce play-là si tu veux, mais avec des mains où finalement ici tu n'as rien. Encore une fois, ton seeking process, ça serait je donc bet en semi-bluff pour lui faire fold des mains qui n'ont rien. Par exemple, une main. Je pense Des que j'ai aucun 5x. donc bet ici. Si t'as pas check raise au flop, je pense qu'il faut pas que tu donc bet, tout simplement parce que si t'avais ici par exemple 9 et 10, 4 et 5, avec carreau ou pas carreau, t'aurais checké. Ok, Dis-toi, si bon. j'ai pas de donc bet en bluff sur ces spots-là, j'en ai pas en value, tu vois. Si j'ai check call flop, je check call, check call, check call. C'est un peu ma strat, tu vois. Enfin, check call, check call, check raise, si mes 3 barrels, mais je check call et je donc bet pas à la turn, d'accord? Je repars d'un check. Je joue dans ma tête comme si j'avais un 8x, quoi. Tu vois? Plutôt en défense. Et si j'aurais attaqué en situation d'attaque, ça va être plutôt check raise flop. Les seules situations où tu vas donc bet à la turn, c'est par exemple doublette du 3 ou doublette du 7. Pourquoi? Parce que dans les fois où tu as un 7, imaginons 8, 3, 7, turn 7 et tu as un 7, tu as check call le flop. Pourquoi on veut donc bet un 7? Parce que Les faire toutes les folder. mains, écoute-moi, toutes les mains qui sont de paire de 9 à paire d'as et les 8, quand je check sur la doublette du 7, elles peuvent checker. Alors que là, quand je vais faire un tiers, je vais toujours miser et value ces mains-là. Elles vont toujours call. Tu me suis? Alors, je n'étais pas sûr que si je checkais, elles allaient miser. Et surtout, vu que sur 8, 7, 3, turn 7, j'aurais pu jouer comme ça, valet 9, valet 10, 9, 10, 4, 5, 5, 6, que j'aurais check call pour donc bet ici sur cette doublette parce qu'elle m'avantageait moi et qu'elle allait suffire à faire fold toutes les mains qu'on s'est bet chez lui qui n'avait rien. Tu vois, donc je le ferais aussi bien en value qu'en bluff. Donc le mec sait jamais, réellement. Ok? Donc l'intérêt, ça serait plutôt sur des doublettes que sur ces spots-là. D'accord? Donc pas de donk bet cette main-là, il a call et du coup bah, ce que tu veux pas faire à la turn, tu vas le faire trop souvent river, c'est-à-dire checker. Là ici t'as encore bet. Encore une fois sans value, sans bluff. Si sans value, tu te feras pas call assez par moins bien, à part des 3, des 2. Et si t'es en bluff, tu feras pas fold assez des 7, des 8, des 6, parce que tout simplement, ce qu'il pensait à la turn, il pensera à la river. Est-ce que ce 2 change quelque chose? Non, là, c'est une brique, hein, Donc je vois pas pourquoi s'il a call turn, il va fold river, hormis tous les gros carreaux qui ont loupé. C'est un peu l'intérêt, mais retiens pas encore une fois ce que tu dois faire une fois que tu as donc bet turn. Retiens plutôt qu'il faut pas donc bet, il faut check call check, je pense. j'aurais dû checker, j'avais de la showdown, et puis, Tu comprends les raisons un peu? Je coupe mon équité en fait avec comme j'ai le 4 de ouais je Voilà. suis en donk bet du coup je fais fold et je peux faire fold après des mains qui ont absolument rien alors que je peux gagner au showdown ouais Voilà, c'est retiens que les mains qui n'ont rien du tout, qui tu vas faire fold à la turn, ne vont pas forcément deux barrels, pas assez en tout cas.
week-end de rien. Comment il le sait que t'as pas de carreaux, que t'as pas 8-3, 8-7, 7-3, 8-6, 7-6, enfin tu les as ces mains-là. 9 Ouais, et ça. 10, 4-5, t'en as plus que lui, tu vois. J'avais un avantage de range, ouais, je pense. Et du Donc coup, pas c'est besoin de peut-être donk pour bet, ça que j'ai d'accord? pris. Ouais, pas de souci. Pas de problème, c'est bien. As-Roi ici. Il open, bon le 3 bet du coup hors de position c'est x4. 3-4, j'aurais Là dû tu peux faire, je encore le pense. faire en value ou en bluff. Si vous êtes 30 deep comme tout à l'heure, tu fais plutôt 7, 7,5. Ouais. Parce que quand je suis en value, je représente main de force et je lui fais encore croire qu'il peut me 4-bet all-in et que je puisse folder. Ouais. Et quand je suis en bluff et que ça accomplit la même chose, ça veut dire que j'ai autant d'effeux quand je fais 7 ou 7,5 que quand je fais 8 et que j'impacte autant à ces profondeurs-là, 30 deep, bah j'économise la virgule dans les fois où ça passe pas. Ouais. Tu vois, dans les fois où je fais 7 et que le mec fait tapis, que ça se peut, et que j'avais, je sais pas, par exemple, Roi-Dame off et que j'ai 3 bet size et fold, bah j'économise à chaque fois une blinde par une blinde, ou une blinde et demie de différence avec 8 ou 8,5 mon sizing. Ouais, c'est Mais énorme sur des sur la milliers de fin. spots, tu vois, ça fait la diff Ouais, quand même. c'est, ça Donc fait dans les deux cas, beaucoup. t'as de l'intérêt, d'accord? Ouais. Ok. Donc t'as 3 bet, bon du coup, retiens sizing C'est à à peu 30 près ce deep, qu'il là faut tu fais savoir. plutôt 8, 8,4. Parce Ouais. qu'encore une fois, quand j'ai Roi-Dame, je veux optimiser ma fold equity, je veux faire fold mieux que ma main, donc j'ai pas envie qu'à ces profondeurs-là, des mains comme As-6-8 qui folderaient peut-être 8, 8,5, là ils se les mettent à coller. Parce qu'il a une Ouais, plus je vais belle cote, tu 3,5, vois. c'est pas assez Tu cher, je lui mets pense. que 5 blindes à rajouter en position, donc là ça va, t'as une main jouable, mais pense à toutes les autres fois où t'as un bluff. Ok. Ouais. Ok, bon il a fold, ça me va. La top-up, bon tu peux faire que 2 blindes à Open. ces profondeurs, donc souvent ce que je peux te dire déjà c'est quand le tapis moyen, ça t'as dû m'entendre plein de fois le dire en vidéo ou en Ouais, stream, moins mais de quand le tapis moyen il est à 60 BB. 60 blindes ou plus, tu peux faire 2,5 partout. Et après, un peu Quand il est à moins. 59 BB au moins, tu fais 2,1 partout. Et quand t'as 20 BB toi, ou tout le monde en effectif, tu joues 20 BB au moins, donc dans ce que tu risques le plus, genre par exemple t'as 50 blindes ici, mais le stack derrière toi c'est 20 et 20, bah tu ne Ouais, joues je fais pas 50 deux. blindes, tu joues 20. Donc finalement, tu joues comme si tu étais 20 deep. Donc dans ces moments-là, faire que 2 blindes. Pourquoi, encore une fois, quand j'ai un bluff, enfin quand j'ai un open fold, j'économise la virgule, je perds moins, j'accomplis la même chose parce que c'est de range faible. Et quand je suis en value, je représente moins de force. Quand j'ai une juice, et je leur fais encore plus croire que je peux fold. Oui, si je fais 2,5 sur 4 spots où je fais 2,5, je perds 2 blindes. C'est énorme à ce moment-là sur Exactement. 20, Imagine-toi par 20, des 20 milliers deep. de spots. Ah ouais, Après, il n'y a c'est pas énorme. réellement de différence sur l'instant T, c'est plus sur long terme, Ouais, mais plus le détail. c'est une erreur quand même si je le fais. Mais là, c'est ouais, du coup, je peux faire un peu plus cher. Salut la team, alors je vais juste reprendre 2-3 questions qu'il y a sur le direct. Tu stream ta session après match, je sais pas encore Valou, merci pour tous les follow les amis. Pourra-t-on visualiser ce Link Finder? Oui, il sera disponible sur YouTube. Merci pour ta question, plante à faim. Du coup, t'as open, c'est bien. Alors le bottom, c'est tous les A6 en off. Ok. Il a call, flop, avantage de range chez toi. Souvent, les bandes paierées quand t'es contre bébé, il faut les c-bet un quart. Toujours pareil, quand t'as un 8 aussi, ici, ou quand t'as une dame, ou quand t'as full, ou quand t'as deux rois, deux as, deux valets, deux 10, deux 9, t'es souvent en value. Tu veux optimiser les mains qui vont te call chez eux de moins bonnes, donc tu veux représenter le moins de force. Donc tu feras un quart. Et dans les fois où t'as rien, genre t'as open 5 et 6 suité, je reprends le staking process du début, j'ai 5 et 6 suité, avantage de range chez moi. Pourquoi avantage de range? Quand je dis cette question-là en direct à chaque fois sur les streams ou les vidéos, c'est en gros qui a les mains les plus fortes. Sauf quand il nous trappe pré-flop, quand on est peu profond. Là, 2 dames, 2 rois, 2 as, as dame, as valet suit, il fait quoi pré-flop? I3 bet. 2 9, 2 10 plus, souvent I3 bet. Donc ces mains-là, on est les seuls à les avoir. Donc les mains les plus fortes ici sont, sont ceux que nous, on aura le plus souvent que lui. Lui, il a le droit d'avoir des 8x, dame x quand même, hein. Mais de manière générale, les mains fortes, les plus fortes en tout cas, sont chez nous. Donc on a l'avantage de range. Donc du coup, ici, on est face à une range BB. La range BB, c'est la position qui défend le plus. Donc c'est la position qui check fold le plus. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà impactée de base de sa blinde qu'elle a mise sans voir ses cartes. Donc souvent, les gens y rajoutent beaucoup, ce qui est normal. D'accord? Dans ces Ouais, c'est ce qu'ils veulent. profondeurs-là, et dans ces positions-là, SBBB, c'est les ranges souvent les plus larges. Donc évidemment, c'est la range qui défend le plus, donc qui check fold le plus. Donc si ici j'ai 5, 6, 8 et j'ai une main en bluff, l'avantage de range est chez moi. Si je suis en bluff, c'est pour faire fold. Mieux ou Mieux moins que bien que ma maintenant. main? Mieux que ma main, exactement. Parfait. Ouais. Du coup, est-ce que je peux faire fold mieux qu'hauteur 6? Bah, Ah hauteur ben, 7, clairement, hauteur 9, ouais, hauteur sûrement. 10, hauteur valet, hauteur roi, hauteur as, souvent, Ouais. ces mains-là, un quart suffiront à les faire fold. Bon, il y a des hauteurs as qui folderont pas, mais de hauteur roi à hauteur 7, si t'as 6 et 5 suit, bah, tu les feras fold très souvent en faisant un quart. Donc, retiens les bords très secs ou bords pairés, c'est un quart le sizing, d'accord? Ouais, je crois que j'ai Ok, jamais bon, t'as fait. checké. Ah non, J'aurais plutôt commencé à miser, surtout que tu bloques les mains qui vont le plus check raise ou check call, genre les straight draw. T'en bloques une partie, allez, donc 10 et 10. 9, valet 10. Avec ton 10, tu les bloques, d'accord? Tu bloques des bonnes dames, dame 10, as dame, as 8, 10 et 8. Et tu peux te faire call par des A6 moins bons. Tu fais pas fold que des mains qui n'ont rien. Tu fais aussi call par des hauteurs rois avec des backdoors, des gutshots et des as 9 à as 2. Je pense qu'ils vont rarement fold sur board pairé.
Ok? Bon, ici, check, il peut check une dame à 8, mais t'es devant des auteurs qui n'ont pas transfo, et du coup, bah, t'as showdown, t'as suivi ta logique. Bon, dommage. Une des mains qui peut faire call sans être résultat oriented au flop, de moins bonne. Bon, voilà. Bon, ok, tant que tu comprends le principe un peu de pourquoi il faut miser, ça me va. Ici, open, min 3 bêtes. On a juste envie de folder. On n'a pas envie de call. Il représente souvent de la force, lui. Il peut avoir des 3 bêtes Ouais, en il a la bluff, mais mise des 3 bêtes trop en value. meilleure, ouais. C'est bien. Ici, t'as foldé. Le bottom, c'est valet 10 off plus au hijack. Vous êtes que 5 à table. T'es pas UTG. Bon, dans le terme précis, t'es UTG parce que t'as à gauche de la blinde. Mais Ouais, ici, MP, quoi, c'est valet 10 off plus au hijack. D'accord? Pour nos ranges que nous, on a en coaching de base, c'est hijack. Ici, c'est dame 8 off plus. Alors, pareil, mnémotechnique de défense. Dame 9 off plus contre MP. Dame 8 off plus contre hijack. Moi, ce que je fais de base. Dame 5 off plus contre cutoff et dame 2 off plus contre bouton. Encore une fois, quand ils open les bonnes ranges. S'ils sont très tight, c'est de là, avec ma souris. Tu fais dame 9 off plus contre MP. Dame 8 off plus contre hijack. Dame 8 off plus contre cutoff. Dame 8 off plus contre bouton. OK. Et toutes tes dames ensuite. D'accord? Tu t'adaptes avec des infos ou non. Ouais. Ici, dame 5. Alors attendez, je vois pas pourquoi à chaque fois ça se relance. En BVB ici je limp. Alors ce qui est intéressant ici c'est que tu raise. Donc pareil, tu raise en value ou en bluff. Là, je raise en bluff. Comme j'ai un bloqueur, j'ai une dame en main. Et puis, c'est pour faire fold mieux que ma main. Des meilleurs. J'ai une main horrible. Donc, du coup, je vais faire fold. Je vais faire fold les. Je peux. C'est une main horrible. Dame 2, dame 3, dame 4, dame 5. Je vais raise en bluff pour faire fold mieux que ma main. Et je vais plutôt payer just call dame 9, dame 10, dame 8. Mais là, la dame 5, j'ai envie de raise pour le faire fold. Ok, bon c'est intéressant. Alors déjà, quand tu raises pour faire fold mieux que ta main, Jonathan, avoir conscience de ce que tu fais fold dans mieux que ta main. Est-ce qu'on fait fold dame 6, dame 7 off? Peut-être. Dame 8, dame 9 off plus? Pas sûr. Ouais, je pense Les pas. auteurs rois, pareil, on fait peut-être fold roi 2, roi 3, roi 4, roi 5, roi 6, roi 7. Par contre, roi 8, roi 9 off plus? Jamais. Ouais. Je pense. Et les as Ouais. 6, on les fait jamais fold. As 2 off, il défend. Au Ah, je fais minimum. pas fold à cette main, je pense sur avec un Donc. ala. Les mains que tu faisais peut-être fold, genre roi 2, dame 6, dame 7, tout ça, si Valet, tu limp. des valets, hauteur valet, Alors, hauteur valet, 17. c'est pas mieux que ta main, c'est moins bien. Ouais, Donc, du tu coup, pourrais me dire ouais, aussi, tiens, Mathieu, je fais pas fold que mieux que ma main, mais je fais aussi call des mains moins bonnes. Mais si par exemple, je lui attribue une main moins bonne que la tienne, genre valet 10 de trèfle. Alors, ok, là, t'es en value sur des mains moins bonnes, mais est-ce que, en position sur toi, valet 10 suité, il va mieux la jouer que toi, ta jouabilité dame 5 off, post-flop, hors de pause? Bah oui! Donc même Ouais. s'il a une main moins bonne, il va mieux la jouer que toi en position. Donc ce serait pas bon pour ces raisons-là de le faire. Parce que quand t'es payé, ici, s'il fold pas les mains moins bonnes que toi qui sont jouables et les mains meilleures que toi, très souvent, tu vas te retrouver à te faire beaucoup call, ou 3 bêtes, mais au minimum call, et devoir jouer ta jouabilité post-flop, qui est dégueulasse. Ah, elle est horrible D'accord? cette main. Ouais, Donc même ici, le retiens play. que les mains mieux que ta main qui folderaient peut-être, genre roi 6 à roi 2 off et les dames 6, dames 7 off, ça va pas dire que si tu limp ici, elles vont forcément iso tout le temps. Elles vont souvent check back. Et quand le Ouais. mec check back, c'est qu'il joue souvent que mieux que sa main. Enfin, il joue souvent que sa main. Et donc, est-ce que ça va être dur à jouer post-flop? Normalement, non. Ouais, D'accord? Et c'est surtout quand on est à surtout, j'ai pas position. besoin de la transformer parce qu'elle a déjà de la showdown value. Genre, retiens, imagine si je limp ici et qu'on check tout le long. Genre, un imaginaire. Flop, hauteur 7, check, check, check. Turn 6, check, check. Turn river 4, check, check. Est-ce que hauteur dame, ça peut gagner contre des hauteurs moins bonnes chez Ouais, de lui? temps en temps, ça peut gagner, Oui. ouais. Est-ce que Dame si j'ai sur. 9 et 2 là, ça gagne hauteur 9 river si on showdown tout le long? Non. C'est pour ça qu'on Non. veut raise ici, mais nos meilleures mains ou nos pires mains qui n'avaient pas d'hauteur. D'accord, ok, Donc hauteur dame, ouais, hauteur roi, tu peux les limp dans tes pires, t'as. je pense. C'est assez fort, d'accord? Ouais, ça, c'est le désavantage, tu vois, de pas trop connaître les ranges SB contre BB, par exemple. Et c'est vrai que Ouais, mais la après, stratégie donne, ça te permet c'est. d'avoir une petite règle et de progresser dessus. Là, je Ouais, pense ok, qu'une fois ouais. que la règle, tu la maîtrises, tu vas progresser sur tous les autres spots où ça reviendra, cette situation-là, où tu n'auras pas dame 5, mais tu auras dame 8, dame 9 off, et ça sera le même principe. Je veux limp parce que ma main, elle est trop forte pour la folder direct, elle n'est pas assez forte pour open call un 3 bet, et elle est trop forte pour open fold. Enfin, c'est dommage. Enfin, j'ai pas envie de l'open fold, je préfère utiliser mes pires mains, mes meilleures mains. Alors, ce que je peux te donner en termes de règles, histoire de te donner le maximum de contenu sans prétention et le meilleur contenu pour toi, Jonathan, c'est de te donner la règle des raises polarisés et à peu près des mains avec lesquelles on le fait en fonction des profondeurs qui descendent ou pas. Donc 15 BB deep, souvent en tournoi non KO. D'abord, je vais te donner les règles non KO parce qu'avec les KO, il y a des petites déviations, mais je t'en parlerai plus tard. D'abord, en tournoi non KO, 15 BB deep, souvent notre sizing polarisé, il va être de 2,6-2,7 blindes. D'accord? Contre 20 BB deep, donc souvent ça va être entre 18 blindes et 22, ce qui est en3x. moyenne la plus proche de 20, on fera 3 blindes. Ouais, Donc je fais 3 blindes, imaginons avec 9 et 2 off contre 20 BB deep ici,
Par contre, en étant SB contre BB, par contre, s'il limp en SB et que moi je suis en BB et que j'ai 9 et 2 off, je fais aussi 3 blindes. Genre, ouais. Les règles que je m'applique là en SB sont inversables. Ok. Tu comprends? Ouais, je me polarise entre mes mains fortes et mes mains faibles. Voilà, donc ça. Contre 20 deep, 3 blindes. Entre 22, 23 blindes et à peu près, on va dire 40 blindes, ça va être plutôt aux alentours des 25 blindes. Et jusqu'à 40, on fera 3 blindes et demi. Okay. Nos meilleures mains, nos pires mains, genre contre 25, contre 30, tout ça. Ok? Contre 35 et tout. 40 blindes ou plus, souvent moi je fais 4x. Ou 3 blindes et demi, 4x. Alors après, il faut que tu retiennes une règle aussi, c'est que plus on est profond, plus il va pas fold mieux que ma main. Genre par exemple, imagine on est 100 deep, bah si j'ai 9 et 2 off et que je me dis tiens, le mec ici, 9 et 7, 9 et 8 off, des valets 7, valets 8 off et tout, il les fold jamais parce qu'on est 100 bébé deep et qu'il se dit qu'il est à l'aise, bah je suis pas obligé de le faire équilibrer, ils s'en rendront pas trop compte. Ouais, ouais, je... D'accord, c'est avec des petites notes et tout, fais-le contre des mecs qui jouent que leurs mains. Ouais. Par contre, à 30 bébé deep, là, même si j'ai 9 et 2 off et que je fais 3 blindes et demi et que le mec a valet 7, valet 8 off, je peux te dire qu'il va réfléchir. Parce que ton 3 blindes et demi l'impacte beaucoup plus par rapport à son bloc qui lui reste au total, la valeur de ses jetons au total, de son tapis, que dans la première situation où vous étiez sans bébé deep. Ouais. Tu comprends, Jonathan? Ah ouais. Genre, ils ont beaucoup plus peur de ce qui peut. Tu sais, de leur faire vraiment, de leur dire en tête, écoute, tu vas jouer sûrement un gros pot et ce que tu veux pas qu'il t'arrive le plus, c'est-à-dire peut-être bust, vu que je te couvre, bah en gros, dans l'image, fais attention à ta range de call. Alors que si t'es sans bébé deep, lui va savoir que même si tu lui mets les parpaings de l'année au flop, ça va pas partir, tout pas partir, tu vois. Donc il joue plutôt relâché. Tu comprends un peu la différence? Ouais, ouais. Et pareil, imaginons, t'as 30 blindes et le mec a 100 blindes, pareil, il commence pas à faire 3 blindes et demi avec tes pires mains. Sauf sur le mec qui joue que ses mains, encore une fois, parce que en termes de profondeur, tu veux pas le faire. Vu qu'il foldera pas assez mieux que ta main. Ok? Alors, ouais. Après, en termes de sizing, là, je t'ai appris un peu les sizing, je vais t'apprendre après un peu comment tu fonctionnes avec ta range, même si t'as pas mal écouté les vidéos et les streams, parce que tu connais déjà, c'est ta range polarisée, donc tes meilleures mains, tes pires mains. Ouais. Pas à faire, si tu veux, contre les top règles du site. Les top réguliers où ils vont savoir un peu cette stratégie là, mais contre des joueurs qui jouent que leurs mains. Ici, on est 30 bébés deep, j'ai 9 et 2 off pour l'exemple. Je fais 3 blindes et demi pour faire fold mieux que ma main. Est-ce que je peux faire fold des vieilles hauteurs 10, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi? Oui. Oui. Donc déjà, si je fais fold toutes ces mains là, c'est un bon play. Est-ce que ma main elle avait de la jouabilité post-flop? Non, dans tous les cas, je pouvais pas limper. C'était la meilleure moyen de gagner les coups. Encore une fois, je ne veux pas gagner tous les coups, mais comment je vais le mixer? Bah avec mes meilleures mains. Est-ce que je peux ici 3x5 pour coller un tapis avec des... Je donne des exemples. Hein, As-Dame off plus, As-Valet suité plus, 2-9, 2-10 plus. Oui. Oui, oui. Ouais. Tu comprends? Ouais, tu te polarises complètement. Et comme voilà, mais je le fais avec mes mains les meilleures ou les moins bonnes. Okay. Par contre, ça ne veut pas dire que 15 bébé deep, par exemple, tu ne peux pas limper 2 As pour le trap. On peut le limp juice de deux manières, ça tu l'as compris aussi. En raisant ou en limpant, mais il faut que ta stratégie soit adaptable aussi. Après, tu n'es jamais obligé de t'équilibrer, d'accord, Jonathan? Mais je pense que 2 As de Roi, je vais toujours limper, quoi qu'il arrive, à 15 BB deep, mais parce que voilà, je peux jouer post-flop, je m'en fous. Voilà, après, il y a certainement où tu peux quand même induce, ok? Ça ne me dérange pas, d'accord? Bon, tu as retenu un peu, ce qui compte, c'est retenir la main. On voit que ta jouabilité, elle est dégueulasse. Bon, si au cas où, là, je suis gentil avec toi, on va au bout du spot, ce que je fais avec les joueurs en coaching, c'est si ça perd déjà trop d'argent. Sauf contre un profil particulier de faire ça, vaut mieux retenir ce qu'il ne faut pas le faire pré-flop, encore une fois, et de ne pas savoir qu'une fois que tu t'es mis dans la merde, comment t'en sortir. C'est direct de ne pas y aller dedans, tu vois. Voilà, c'est direct retenir, ok, j'aurais pas dû aller ici, du coup je passe au spot suivant. Okay. Si j'ai réellement confiance en ma strat pré-flop, tu vois, ce qui gagne le plus d'argent, c'est de limper pré-flop. Les open avec ces mains-là, ça en perd trop. J'ai pas envie de savoir ce que je fais post-flop une fois que c'est ce cas-là. Oui, on devrait pas y aller. Bon, là, pour te faire plaisir, on va y aller. Ici, on sait bet range, avantage de range chez nous. Ouais, je sais bet, ouais. Lui, ici, As Dame off plus, As Valet suité plus, 2-9, 2-10 plus, souvent, il 3 bet aussi. Donc, il lui reste qu'en A6 et en Roi X que ces A6 et les Roi X les plus faibles. Donc, on sait bet, un tiers, faire fold les mains qu'on n'a pas touché. Donc, une fois qu'on est joué post-flop, c'est bien, d'accord? Ouais, ok. Ok, on se passe au spot suivant. 10 et 4, t'as pas d'action. Fold. 2 et 3 en fold. Si tout le monde fold, c'est 9 et 10 le bottom. Fold. Là, c'est Valet 10 off. Ici c'est Dame Valet off plus en MP. Ici on défend pas. Alors qu'il faut battre de range, ici déjà en termes de mémotechnique, il faut que tu te fies en fonction de la valeur de leur range. Plus c'est des ranges fortes, moins il faut que tu défendes. Par exemple, si tu as, je sais pas, 9-5, 9-6 off, je vais pas rajouter. Tout simplement parce que mes 9, mes 5x ou mes 6x, mes 9x, mes 6x sont trop dominés dans sa range open à lui, dans sa range de call à lui. Parce que lui open une range MP et lui flat une range SB contre MP. Ouais. Même si la range SB contre MP qui va rajouter sera plus large que, par exemple, cutoff contre MP, vu qu'il y a plus de joueurs à parler derrière lui, tu vois. Ouais, ouais. Mais d'une manière générale, on a envie de défendre, je dirais, au minimum 9-7, 9-8 off, je dirais au moins 9-8.
Ce que tu peux retenir en off, c'est qu'en premier, tu veux défendre des mains. Souvent, ce que je dis dans le mémotechnique, c'est les mains en connecteur en off qui se suit. Donc, c'est 4, Ouais, 5, ça fait 5, quinte. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 en off. Toutes les mains suitées. Ça peut faire quelques quintes, ouais, Voilà. effectivement. Et souvent, moi, je donne en mémotechnique aux joueurs que je coach l'escalier parce que si tu les regardes dans des tableaux, bah, quand tu regardes dans les tableaux, tu sais, ça monte en escalier. Genre la ligne, la diagonale des 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 en off, ça monte en escalier comme ça, tu vois. Ouais, Du coup, dans ok. l'image, on se sert de cette image-là. Voilà, bon, ok, petite règle 5. Par contre, tu vois, du coup, à l'inverse, si ça fait open bouton, flat SB et que je suis en bébé, bah, 9-5, 9-6 off, sûrement que je vais rajouter parce que mes 9, mes 6 sont beaucoup plus vivants et mes tirages quintes seront beaucoup plus vivants parce que c'est des ranges beaucoup plus larges. Ouais, ils ouvrent, ils open un peu plus, ouais, Du pour coup, même rajouter. principe, je suis gentil avec toi. Imaginons ici, tu as As-8 à 6 off, je vais jamais, As-9 à 6 off, je vais jamais défendre. Open MP, flat SB. Par contre, c'est open bouton flat SB, je vais défendre. Parce qu'encore une Ah fois, mes A6, quand je vais les toucher, genre mes top pairs, genre je sais pas, top pair à l'As, kicker 8, bah, seront beaucoup plus vivants dans ces positions-là que quand il open que des A6 qui me domaine en off, ici ou ici, qu'il est flat. Tu comprends un peu? C'est en gros, on je n'a pas vois. envie de faire top pair si on est dominé, tu vois. Faut quand même avoir de la Ouais, jouabilité. la range, elle est pas la Elle même n'est du pas tout, aussi ouais. forte, elle n'est pas aussi faible. Voilà. Ok, bon, fold ici, c'est bien. Ici, tout le monde fold, c'est de la 8 off plus le bottom. Ici on fold, ici on fold, c'est valet 10 off plus. J'ai l'impression que le replayer il bug un peu, bon c'est pas grave, là c'est dame valet off plus. Là on défend de manière générale tous nos suités, donc là c'est pareil, en BVB, comme je t'ai dit tout à l'heure, de manière générale on iso, donc là on fait 3x5, nos meilleures mains, nos pires mains. On le fait pas avec nos mains intermédiaires, donc nos hauteurs dames, nos hauteurs rois, nos mains suitées de manière générale, sauf les pires suités, on n'a pas envie de les isoler. Parce qu'encore une fois on ferait pas fold assez mieux que notre main, et toutes les mains qu'on ferait fold si on iso, genre, je sais pas, des mains comme 10 et 2, 9, 2, 8, 2, 7, 2, 6, 2, toute sa range faible, bah on l'aurait bien joué en position, si on check, Ah ouais. tu vois, avec cette main-là. Pas besoin de raise, c'est bien. Bon, il check, je pense que tu peux check. Là, tu bet, bon, ça sert à peut-être à faire fold hauteur dame, hauteur roi, Ouais, hauteur as voilà, autour maintenant et roi. attaquer Ouais. quelques turns, ça me dérange pas avec tes backdoors, mais tu peux aussi Je checker. veux attaquer les cœurs et puis les 6, les 7, les... Ouais, donc ça c'est bien. Bon, souvent un 10 attaquer. il aurait bet, sauf quand il veut trap, des bons 5 aussi, paire de 6 à paire d'as très souvent aussi. Ouais. Souvent quand il check, c'est au mieux, il a des vieux 5, des 2, des paires de 4 à paire de 3, des hauteurs as, hauteur roi, hauteur dame, tout ça, ou des give up. Du coup, toi quand tu bet, c'est que tu pourrais avoir un 10, tu pourrais avoir deux paires, genre 10-5, Jouer les 10-2, cœurs, 5-2. attaquer Donc il les faut que cœurs tu te aussi. barrel. Ouais. Pour faire fold, encore une fois, je suis en semi-bluff, c'est pour faire fold mieux que ma main. Je peux faire fold hauteur dame, hauteur roi, hauteur as. Ouais, là j'ai vraiment pas de showdown avec le hauteur valet, je pense, D'accord, ouais. donc si c'est Voilà. deux barrels, j'ai un bloqueur de la quinte, je peux faire fold mieux que ma main. Donc si je Ouais. deux barrels, c'est en semi-bluff, donc c'est pour faire fold mieux que ma main. Le Exact. sizing où je ferai le plus fold des vieux 2, des vieux 3, des hauteurs as, hauteur dame, hauteur roi, c'est deux tiers. Ouais, j'ai fait demi, je crois, je sais plus, mais je crois que j'ai pas fait assez cher. Ouais, Ouais, donc mais je encore une fois, ce voulais, que ouais, tu as ça. fait, comme d'habitude, c'est pas le plus important, c'est ce que tu devrais faire pour ces raisons-là. Pourquoi il faut pas Ok. faire demi-pot pour moi? Parce que des 2x, des 3x, des hauteurs as vont pas forcément folder. Fold, ouais, Pourtant, c'est beaucoup des trop mains de que fold. tu veux faire fold. Ouais. Donc optimise ta fold equity. Ok, Ok? deux Et tiers, ouais. surtout, si tu avais Brolante 5, Brolante 2, Brolante 3, un 10, et que il te colle très souvent mi-pot comme deux tiers, tu perds de la value à pas faire une blinde et demie de plus, là. Tu comprends? Ah Donc dans les deux sens, il y a de l'intérêt. Bon, il fold, ok, ça me va que t'es deux barrels, plutôt deux tiers, pour ces raisons-là. Ici, tu as 30 BB deep, souvent, toutes tes pocket pairs, c'est tapis, SB tapis. contre bouton, genre Ouais. de paire de 10 à paire de 2. Tu commences à 3-bet sizer des deux valets, de dame plus. Et paire de 9 à paire de 2, je fais tapis direct. Ça rattrape toutes les fois ici où tu défends et tu fais pas brelan, vu que tu fais brelan qu'une fois sur 8. Ici, il faut retenir un truc, c'est que quand tu chauffes directement paire de 4 ou paire de 3 ou paire de 2, ces mains-là, est-ce que tu peux faire fold mieux que ta main? Oui, il peut fold 2-5, 2-6, As 2-7 pour neuf, certains. As-huit. Tu vas faire fold pas mal de mains qui n'ont bonne jouabilité contre toi en position post-flop, genre des As-8, As-9, As-2 suité, des As-10 off pour certains. Il y en a qui vont même pas call As-Valet off, tu vois. Des Rois-Dames, Rois-10, Rois-Valet suite, il y en a qui vont pas call aussi forcément tout le temps tapis, mais qui l'auraient très bien joué ici contre toi en position si t'aurais défendu, comme t'as fait pré-flop. Et tu joues ton équité à fond dans les fois où t'es payé. Mais encore une fois, il open une range bouton. Souvent, en théorie, au bouton, ils open au moins une main sur deux quasiment. Donc, il a beaucoup plus d'open fold que d'open call. Donc, toi, le play qui rapporte le plus d'argent en SB contre bouton, paire de 9 à paire de 2, même paire de 10 à paire de 2, c'est de faire tapis tout le temps, je pense, pour 30 blindes ou moins. Ouais. D'accord? Quand tu couvres le mec, pareil, imaginons, j'ai, je sais pas, j'ai 40, lui, il a 36 et lui, il a 28, je 3 bet all-in directement. Quand je les OK. couvre. Souvent, ce que tu peux te dire, c'est ce que tu pushes pour 30 en théorie dans un tournoi normal. La règle que je viens de te donner là, tu peux ajouter 5 blindes ou 10 blindes de plus, aller du coup jusqu'à 40 de push
3 bet all-in directement tapis pour 40 quand tu couvres les deux. Parce que dans les fois où tu te trompes, vu que son KO vaut de l'argent mort, Ouais. ça tu dois le savoir, bah du coup c'est pas Ouais, comme je si il jouait connais, j'avais 40, c'est pris comme les si deux. des fois il jouait 35 ou 30. Donc du coup ça, je réfléchis en termes de range, la même chose que si c'était 30 blindes dans un tournoi normal. Ouais. Tu vois, et dans les fois où il call, bah je peux le sortir. Bon là du coup j'aurais plutôt 3 bet all-in Ouais, direct. Bon t'as fait j'ai brelan, ça me va, check check check, bon souvent lui check, au mieux il peut avoir brelan de 7, brelan de 8, quand il check, paire de 9 à paire d'as, je sais pas s'ils vont très souvent check back, mais en tout cas ils peuvent, mais souvent ils vont miser, tu vois, j'ai l'impression quand même, ils vont pas réfléchir en Ouais. termes de range, donc souvent il est capé, au mieux la brelan, sinon c'est des 7, des paires de 6 à paire de 2, des 4x, des auteurs ou des give up, donc ça joue souvent entre toi et Anthony, donc pareil là je suis en value, mais je dois m'imaginer dans ma tête que je suis en semi-bluff. OK. Comme d'habitude, ton sizing, si tu le fais en value, tu peux le faire en bluff. Si tu veux progresser comme ça, monter les niveaux et que les joueurs ne savent toujours jamais quelle main tu as réellement, ne faut pas que tu fasses un sizing en fonction de la valeur de ta main. D'accord? Ah ouais. Donc ici, je fais deux tiers parce que j'ai des bluffs. 5x, 6x, valet 9, valet 10, 9-10, flush draw à cœur, des mains qui n'ont rien. Et que je pense qu'un 8, un 7, une paire plus gutshot, genre 6 et 7, 7 et 5, 8 et 5, 8 et 6, qu'il peut avoir ajouté lui ensuite, il foldera jamais. Vu que nous, encore une fois, on a des bluffs en perçu. Bluffs en perçu, Jonathan, c'est selon le nombre de bluffs qu'ils vont nous attribuer les adversaires. C'est pour ça que à chaque fois, je les énumère, parce que plus on en a des bluffs, plus on les représente, donc plus on peut faire cher. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Genre ici, si plus tu fais voilà, c'est mi-pot pour ça et que le mec que il a un 8 à ta gauche, il va te dire, bon, il a des bluffs, 5x, 6x, valet 9, valet 10, 9-10, flush draw. Mais si tu fais deux tiers, il va te dire la même chose. Donc est-ce qu'il peut fold un 8 mi-pot ou deux tiers? Non. Donc je maximise ma value sur ces mains-là, et dans les fois où j'étais en bluff, ou en semi-bluff, je maximise ma fold equity. ouais, faut que je le fasse en bluff, que je m'équilibre entre en bluff et value. C'est Des quand je fois, le il y a fais des pas assez au niveau du bénéfice. petites exceptions. C'est par exemple, t'aurais besoin de faire moins cher qu'un sizing théorique comme on le connaît là, parce que les profondeurs seraient plus petites. Ouais. Genre imaginons, lui, il lui reste 15 blindes, bah j'ai pas forcément besoin de faire deux tiers, genre 4 et 4, 8 Enfin, je et connais les 7, 15, tiers alors qu'il sur lui cinq. restera moins de 15 blindes. Ouais, Tu comprends, ok. mais c'est l'exception à la règle. Hein. Voilà, je te donne toutes les situations. Donc là, Ok. ton petit sizing de mi-pot, tu l'aimes bien. Hein. Et Ouais, souvent, ce qui se passe, je la fais plupart ça des parce que joueurs j'ai. en coaching, je Ouais. leur dis, tu vois, mais souvent, l'effet qui se passe à toi et à tout le monde, c'est qu'en gros, dans ta tête, il se passe ça, tu vois. Je veux value, mais j'ai peur de faire fold des mains moins fortes que la mienne. Du coup, je fais mi-pot, tu vois, pour me faire coller le plus souvent. Mais Ouais, je j'oublie toutes vois les fois où ce j'étais en que semi-bluff, tu vois, déjà. Et j'oublie que je minimise ma value sur des mains comme ce que j'ai repéré avant. D'accord, donc là D'accord. c'est un détail d'une blinde et tout, mais ça fait la diff. Hein. Ok, et t'es payé deux fois, River t'as fait full, bon des deux ils en ont pas beaucoup, ils ont souvent des 7, des 8 qui folderont pas, donc je pense que tu peux abuser sur le sizing, aller jusqu'à deux tiers. Parce Ouais, qu'encore une fois, t'as des bluffs, 5x, 6x, valet 9, valet 10, 9-10, et je pense qu'un 8, il y en a au moins un des deux qui en a un qui foldera jamais. Surtout celui à gauche, parce que lui, je pense que des 8, des bêtes au flop, très souvent, sauf s'il est bon. Du coup, souvent Anthony qui a un 8 ou un 7, souvent, bah, sinon si c'était pas des mains comme ça, c'était des tirages. Vu que ton 8 blind dans 17,5, il a quasiment aucune fold equity, je peux te dire qu'un 8, il n'aurait jamais fold là, tu vois. Ouais, est-ce Donc, que du t'étais coup, pas pour sur me cette faire sauter range-là, ça, mais c'est. encore une fois, pense qu'un 8, il te colle, je pense, 8 comme 10 ou 11. Hein. Ouais, je bête et du coup pour value, mais est-ce que par exemple, si ça aurait été bien de lui laisser, par exemple, s'ils avaient des tirages couleurs et quintes, de le laisser bluffer, tu sais, checker Alors, il n'y turf a que lui couleur, souvent par qui les a en tirage exemple. Ouais. quinte. Parce que Est-ce qu'il lui, peut les valet 9, valet bluffer? 10, 9-10, sauf s'ils sont bons, ils vont souvent bet aussi. Ouais, Faut être bon ok. pour se dire, tiens, l'avantage de range, il est pas chez moi, donc je rentre dans ma range de check 9 et 10 ou valet 9 ou valet 10. Souvent, lui, il a des flush draws, quoi. À la turn, au pire, dans des mains qu'il a peut-être bluffé river si tu check. Les straight draws, ils sont ici, mais c'est pas sûr que si tu check, il les bet vu qu'il est en sandwich, lui. Ouais, Et lui, sa embêté, range, souvent, c'est showdown ou abandon, tu vois. Quand il ouais, check il au flop et qu'il te colle à la turn. bluffe. Ok? Bon, c'est bien. Spot suivant, là, en fold. Oh, tu peux commencer à open 8 et 9 off plus. Là, c'est Roi 9. Là, c'est Valet 10, tout le monde fold. Là, c'est Dame 10 off plus. Bon, là, on pareil, on 3 bet. Bon, du coup, hors de position, c'est au Plus moins cher, ouais. x4. Bon, après, là, on était 37 blindes, donc j'aurais pu faire 7 blindes et demi, vu un peu moins cher, tu vois. Mais c'est Après, avec les au moins KO, 7 blindes et demi, quoi. avec les KO, il y a une par rapport à un tournoi normal où il n'y a pas de KO, tu fais Alors, légèrement ce moins cher. sizing-là que je viens t'apprendre. Hors de pause en position, quand tu appliques ce principe, c'est tant que je peux le faire en value ou en bluff. Donc c'est jamais en mettant un tiers du stack de l'adversaire. Tu vois, en temps normal, on veut pas mettre un tiers du stack du mec pour folder. Ouais. Parce que j'aurais souvent que besoin que 30% d'équité. Et souvent, les combos que j'aurais pris dans mes sizing, dans mes 3 bets en bluff, auraient eu 30%. Et en KO, c'est souvent un quart du stack.
du mec. Donc là, tant que je peux mettre un quart du stack, sans mettre un peu, enfin, je mets pas un quart du stack du mec ou un tiers du stack du mec, je peux faire ce sizing là. Ok. D'accord? Donc là, plutôt 7 blindes et demi, 8. Ce qui va te call pareil très souvent. Et encore une fois, en bluff, comme avec des rois dames off, rois 10, rois valet off, rois 10 off, tout ça. Des petits as exécutés, tu voudrais augmenter ta fold equity. Merci pour le follow, Pagnol. Et merci la poutre pour le resub. C'est ton cinquième mois. Merci beaucoup. Bienvenue encore dans la team. Ça fait plaisir. Bon, ici, l'open. Bon, t'as 40 blindes, t'as as valet. Ici, si tu 3 bêtes, imaginons. 7, 8 blindes, ce que tu veux, 6 blindes, ce que tu veux, pour que ça parte Ouais, contre ta je suis BR. commit, ouais. T'es Il commit va sur lui, commit, quoi qu'il arrive. Mais ouais. Ouais, ici, non, est-ce je que peux ta main, elle est pas. assez forte pour gobro contre lui? Je pense. Par contre, Ouais, peut-être. imaginons tu fais 7 ou 8 blindes, là, Jonathan. Non, je ferai jamais ça. Ouais, bah, je peux pas parce que je suis commit. Je mets la moitié de son stack au milieu. C'est soit je chauffe, soit Bah ouais, je mais passe, c'est pas quoi. grave, ça veut pas dire que t'as pas le droit de te commit. Genre, eux, des fois, ils vont pas tout le temps le réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que tu le fais jamais en bluff, donc tu le fais qu'avec tes mains de value. Vu que tu le fais pas équilibré, t'es pas obligé de jamais le faire. La Là, seule je peux fois faire. où tu feras ces situations-là, c'est parce que t'as pas envie de chauffer 40 blindes derrière toi. Ou par exemple, imaginons, t'as 60 blindes, il en a 60, tu vas pas 3 bet all-in, 60. Ouais, ok. Tu Ouais, feras si quand même jamais 7 parce que t'as pas 4 d'autre serre, choix. il a une main. Tu vois? Ouais. Là, il faut réfléchir parce que comme je t'ai dit tout à l'heure avec la règle des 30, parce qu'on chauffe pour 30, on chauffe pour 40 quand on le couvre. Bah là, il y a de quoi réfléchir. C'est pour ça que je te dis, imaginons, tu 3 bêtes là, 7 ou 8 blindes, d'accord, Jonathan? Et Ouais. que Kate, il a 2-7, 2-8, 2-9. Il peut faire quoi s'il ne te croit pas? Ah, il peut push. Pour... Bah, quoique je le couvre, donc je sais pas s'il met tout au S'il ne te croit pas, il peut milieu. faire quoi d'une manière générale? Bah, il fait tapis. Et si tu fais tapis toi-même là, il fait quoi avec ces mains-là? Il fold. Tu penses? Ils vont avoir, je pense, comme RB7. toi, plus de mal à call stack dominé Ouais. que shove ici sur ton 3 bêtes parce qu'ils peuvent encore prétendre à ce que tu fold, ce qui est vrai. Ouais. Alors, ce qui est vrai pour eux, mais ce qui est faux pour nous, parce que nous, on n'a aucun 3 bet dans ce spot, tu vois? Vu qu'on se commit sur lui, tu comprends? Ouais. Donc si vraiment le mec est bon, je pense qu'il va jamais penser que tu puisses folder. Tu comprends un peu le truc. Ouais, Par ok, contre, je vois. on n'est jamais à l'abri que le mec ici le pense pas, tu vois? Donc si t'as pas envie de te faire tapis à des 2-7, 2-8, 2-9 quand tu 3 bet ici, il faut directement 3 bet all-in toi, ici. Tu Ouais. bloques ce qui te crush le plus chez Kate, genre tu bloques 2 Ouais, As, deux As as. Dame, As Roi, 2 Valets, ce que tu crains de voir le plus souvent chez lui. Tu vois, ce que tu crains le plus de voir ici, et tu peux te faire fold mieux que ta main. Paire de 7, paire de 8, à paire de 2. Ouais. D'accord? Et dans les fois où il a des mains meilleures que la tienne, bah, il les foldera, comme j'ai dit, avec ces mains-là. Et dans les fois où il a des mains naturellement collables, bah, au moins tu joues ton équité à fond. Mais tu 3-bet fold pas, quoi. Parce que ici, si tu 3-bet 7 et qu'il fait tapis, et que lui fold, tu as rarement collé, on est d'accord? Ouais, non, non. Alors que c'est dommage, tu vois, vu qu'il n'a pas seulement, il a pas que 2 dames, 2 rois, 2 as, as dame, vu que s'il ne croit pas et que les joueurs, des fois, jouent que leurs mains, ils peuvent chauffer 2-9, 2-8. Voilà, au moins tu maximises ta fold equity sur ces mains-là. Ouais, pour l'argent mort, ouais, il peut faire tapis au milieu pour Voilà, et de une base, SB histoire de contre coller, cutoff ou SB contre bouton, ça aurait été un push pour 30 blindes, surtout en KO, tu vois. Là, tu peux ouais. monter jusqu'à 40 vu que tu couvres tout le monde. Donc, t'as Ok. flat, je pense que c'est la moins bonne option que je trouve parce que ici, même s'il a des mains moins bonnes que la tienne, lui là, il va Ouais, pouvoir baisse trop beaucoup plus c-bet les d'équité. boards en position sur toi et en ayant l'agresseur, le facteur de l'agression, donc ça veut dire l'agresseur initial, en étant l'agresseur initial, que toi tu vas pouvoir check coller. Sans avoir tout, si t'as pas touché, tu vas devoir que check fold parce que t'es hors de position, t'es premier de parole et c'est galère à jouer. Ouais. D'accord? Bon, là t'as fait une gutshot, call du coup. Turn it check, bon, au mieux il a full roi, un roi, un 10, souvent il aurait pas checké Ah, sauf en as roi, il 10, aurait dame 10, barré, roi, je valet pense. 10. Au mieux il a full au 5, sinon il représente sa main, des paires de dames, paires d'as, paires de valets à paire de 2, des hauteurs ou des give up. Du coup t'as pas transfo hauteur as, ça me va. Et il a check, bon il avait As-Dame. Bon, je pense qu'il faut 3-bet all-in préflop dans cette situation précise avec les KO et tout. Ouais. Avec Kate, d'accord? Et 3-bet sizé, même si tu commites sur lui quand il a 50, 60 blindes et que t'as pas envie de 3-bet all-in derrière toi. Ok? Jonathan, ça va? Ça va pas trop vite? Ouais, non, nickel, je suis. Parfait, là c'est 8 et 10 off plus le bottom, là c'est Roi 10 off plus, donc Roi 10, Roi 10, Roi 9 et Roi 6, Roi 7 off plus. Tous les rois suités, donc là dans les rois suités c'est roi 7 suité plus, roi 5 suité plus, roi 2 en suité là, là et là. Ouais. Toujours avec le plus les mains au-dessus, d'accord? Là c'est valet dame off plus. Là je pense qu'on défend. Alors ce que je fais c'est que je fais 19. 19 contre MP, 18 contre hijack, 17 contre cutoff, 16 contre bouton. Ah ouais, Tu ok, vois, c'est assez simple. Si vraiment il a 15 blindes et que lui il a un KO et que moi j'ai 10 et 8, j'avais dit de base c'était 10 et 9, je peux peut-être faire une exception à la règle. ouais. Ouais, Tu ok, comprends? ouais. Toujours pareil, assez naturellement. On adapte à la situation aussi, ok. Voilà, exactement. On part toujours d'une base solide pour après en dévier si on a des infos sûres ou une situation particulière.
Voilà, en open, As 2 off plus, au Ouais. bouton, 2x, c'est de range très faible, ça suffit à accomplir ce qu'on veut, c'est bien. Alors, ce que je te propose, vu qu'on prend pas mal de temps pour chaque spot, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir, mais toi, encore une fois, ce que tu veux, c'est de voir avec maximum d'informations. Et moi, encore, je pense que ce qui est le mieux pour toi, c'est d'avoir le maximum de contenu où je suis le plus, sans prétention, performant pour toi, où j'explique un maximum de coups en entier, pour que cette main-là que tu vois dans l'exemple, elle t'en dise plein d'autres, et te donne aussi les solutions pour toutes les autres mains avec lesquelles tu seras arrivé aussi ici. Au lieu de les voir sur les 380 mains qu'on voit là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, on peut passer. Ouais, maintenant, il n'y Donc a je pas de pense qu'on peut problème. avancer un petit peu. Là, au niveau Ouais. de la vidéo, on est déjà un peu plus d'une heure, je pense. Ouais. Du coup, je vais te mettre à partir de demi-TF, histoire que les joueurs voient un peu qui avait en TF, tout ça. Ouais, Alors, on du va coup, voir main 300, on en est où? Ah bah, c'est déjà la TF. je On va voir fais ça. 250. Ok, c'était déjà TF aussi. Donc, alors, peut-être pas. Attends, je vais avancer ici. Je vais avancer Je me comme souviens plus ça, de jusqu'à temps les qu'il y mains. a la TF. Donc ça, c'était les 4 derniers ou pas? Ah non, alors ah là, Je la crois TF, pas. elle est Non, non, là. ah là, c'est la TF, ouais, Ok, bon, le replayer, il est en PLS. Ok, ok. alors attends, je vais le remettre au début. Chauffer. Ok, donc c'est là. Tac, tac. Alors, t'arrives en TF, chip leader. Intéressant. Donc, il y avait le prize pool, hein. Vous étiez déjà ITM, bon, pour un tournoi à 2 euros. Et surtout, bah, évidemment, les 3 premières places gagnées en League Finder et les 5 heures de coaching. Ouais, D'accord? Ok, c'est voilà. les informations que tu as. Bon, là, du coup, tu Ça, il faut open. mettre la pression. Là, je mets la pression, je vais mettre la pression. Comme je suis premier en stack, je vais raise un peu plus large, je pense, comme je suis cheap à ce moment-là. Ok, alors de base, d'une manière générale, quand tu mets la pression ICM, comme on dit, donc pour qu'ils fold plus souvent que leur main naturelle et que toi, du coup, tu augmentes ta fréquence d'open, ok, tu me suis, ça sera souvent en élément, avec deux éléments. Le fait que tout le monde joue les paliers, et là, c'est jamais le cas, hein. Ils vont jouer les paliers à partir de 4, 5. Moi, d'ailleurs, je vous ai regardé en direct et je commentais sur le Twitch. Tu devais suivre, d'ailleurs, je pense, à ce moment-là. Ouais, je me souviens, ouais. À ce moment-là, tu vois, moi je disais souvent, j'en parlais avec la TF, vous commentez tout le truc, mais on voit que ça jouait libéré. Par contre, 3, 4 left, là Ouais, c'était c'est la bulle d'un différent. tournoi, on dirait un ticket à 1000 euros. Parce que tu vois, il y a tellement d'écart entre, je sais pas, genre la quatrième place qui gagne 12 balles pour un tournoi à 2 euros, que les 5 heures de coaching et les League Finder que vous estimez est telle valeur. Ouais. Tu comprends? Donc là, Ouais. est-ce que les paliers les impactent vraiment, tu penses? Ah, bah après, pour aller au bout, après. Pour moi, en tout cas, ça l'était. Je pense du coup, c'est pour ça que je me suis mis Il faut que tu te dises, moi à là ce on est moment-là. 7. Donc ton palier qui t'intéresse, c'est entre la 7 et la 6. Ouais. Imagine il vaut Ouais, 5 je euros, je te donne un exemple. On ne les a pas sous les yeux, mais imagine il vaut 5 euros. Est-ce que les 5 euros vont les impacter? Est-ce qu'ils Non. vont défendre plus tight que d'habitude? Non, non, ils Donc est-ce que vont toi tu dois aller. augmenter ta fréquence? Non. Ok. Je Ouais, pense pas non en plus. fait, je dois augmenter la fréquence quand il y a vraiment de la pression Voilà, donc je ICM suis pour que les premier, ils quatre sont derniers. 4. Et le mec entre la deuxième et la troisième place, je lui mets full pression. Ok, En gros, regarde, je vais ouais. t'expliquer une situation, d'accord? Quand t'es 4 left, imaginons dans cette situation précise, c'était qu'il y a 4 left qui avaient de l'ICM. Le premier, il est censé la mettre, la pression ICM. Mais il est censé la mettre sur le Au deuxième et le deuxième ou au troisième. troisième, pas au Voilà, t'as compris, quatrième, parce que c'est eux qui côté. ont le plus d'argent mort dans les mains. Exact, Par rapport ouais. au dernier. Lui, le dernier, c'est il joue Il libéré. s'en C'est fout. soit il bust et il prend Ouais. temps, ou soit il prend le ticket, mais c'est que bonus. Ouais, Tu vois, il ouais, peut ouais. pas se dire si j'attends, je l'ai. Non, Alors non, que le oui, deuxième, il ce se sera dit, sur ceux moi je qui suis assuré font de temps le entre les deux. deuxième, fictivement. C'est-à-dire que si je suis deuxième, je suis assuré de temps fictivement si les deux autres bustent. Ouais. Donc là, j'ai plus de pression ICM, tu comprends? Donc voilà, Ouais, je donc comprends. plutôt à ton principe là que tu viens d'appliquer, que tu as vu sûrement dans les vidéos aussi et en Twitch, et ça c'est bien, applique-le quand les gens la subissent vraiment. Ouais. Ok? Bon, du coup, j'aurais fold. Alors, ce qu'il faut te dire, c'est que le dernier, de manière générale, il va jouer relâché, mais là, lui, il joue relâché, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi, je pense, tout de suite. Donc tu joues comme d'habitude, les mêmes ranges et tout, tu augmentes pas. Sur les ranges que t'as toi, tout ça. Donc là ici, il shove. Pour savoir si on doit call, est-ce qu'il peut shove des mains meilleures? Oui. Est-ce que j'ai envie de re-shove derrière moi pour isoler le KO avec cette main? Non. À Oh partir de non. quelle main je l'aurais fait? Je pense que As-10 off plus, As-7 suité plus, je le prends. Ouais, Je fais pour qu'il moi-même ait 11 tapis, je peux shove blindes, des mains qui peuvent pas call. Par contre, ne call jamais 11 blindes avec cette main-là. Par exemple, avec As-10, As-Valet off, ne call jamais ah, il 11. chauffe toujours mieux. Alors pourquoi il ne faut pas coller 11? Parce que tout simplement, bah, si Happy Death ou X-Raise ils font tapis par rapport au principe que je viens de t'expliquer, tu peux pas fold. Donc dans tous les cas, tu es commit sur eux. Mais juste, ici, si Brofish, tu lui attribues 2, 7, 2, 8 et qu'il ne te croit pas, il fait quoi? Il fait tapis. Et toi, tu vas faire quoi? Tu Bah, vas je suis obligé de coller. fold, ouais. Mais tu Bah, vas ou après, ouais, folder, si mais c'est vous horrible. Alors voulez. que si tu fais tapis toi-même, tu joues ton équité à fond et tu lui feras fold des mains meilleures. Non, je colle deux as de roi, là. Voilà, deux as, deux rois, deux dames en trappe. Ouais. Et les gars, et quand Jonathan il regarde une vidéo, c'est calepin stylo.
il la revoit, il fait son sport avec. Non, je rigole, je te charrie, mais c'est vraiment bien en Ah, même temps. t'inquiète, y a pas de souci. Salut Mathieu, c'est du contenu vraiment super intéressant, merci. Merci beaucoup Pagnol. Sera-t-il dispo en replay? Oui, sur la chaîne YouTube, Pagnol. Dès que la vidéo elle est finie, on la mettra sur YouTube tranquillement. Donc ok, ta range de call à peu près. Et dans les paires, du coup, c'est pareil, je pense que paire de 6, paire de 7, plus je le prends. Ok, Paire de 5 à paire de ouais, il est un 2, petit si vraiment le chaos il vaut rien, tu peux ne pas le chaos. prendre. Ouais, il est un 3-3. Ouais, il est pas. Ouais, ça va. À un moment donné, il y a un spot comme ça où je vais call pour le chaos. On va le voir plus Ok, là on tard. open tous les as suités, c'est bien, ça Ouais. prend. Là tu fold, donc le bottom c'est plutôt dans les dames suitées, là je dirais dame 9 suite. Roi dame Ouais. off, là on fold, le bottom au Cool. hijack. Du coup non, il est MP, le bottom c'est dame 9 off, toutes les dames suitées par rapport à ce que je t'ai dit. Là on Ça fait fold. deux folds. C'est bien. Là, du coup, C'est c'est là, par je rapport à pense. ce que je t'ai dit. Voilà. Pareil, il chauffe et il est dernier. Alors. Est-ce qu'il va chauffer des mains tout le temps les mêmes? Oui, vu qu'il a pas de pression ICM. Est-ce qu'il peut chauffer des mains moins bonnes? Oui. As suite, as de suité, des bros de Il y en suité, a genre deux roi à 10, faire roi deux. valet, roi dame suite, des dames 10, dame valet suite, des pocket pairs, des petits connecteurs suités, tout ça. Donc ici, nous, pareil, on veut chauffe, leur chauffe des mains que eux peuvent pas call les deux là. Je veux notre équité à fond, jamais call quoi. Ah, je C'est suis bien, parti. parfait. Bon, le Oh, résultat, bah on s'en ouais. fout. Ça, Deux on ne flèches. contrôle pas. Défendez le moustique, défendez le pare-brise. Là, c'était bien le moustique. C'est comme ça. C'est le poker. Ouais, c'est le poker. Là, il était devant toi, mais c'est une pièce en l'air. En vrai, c'est le nombre de fois où tu es devant par rapport aux autres fois où Et t'es, le KO, peu de fois où tu es je derrière. Donc, prends c'est aussi bien. en compte le KO, tu sais, le KO qui est assez gros. Ouais, parfait. Mais d'une manière générale, tu le prends quand même là. En termes de range, Ouais. même s'il avait un petit KO, fallait le prendre quand même. Tu étais trop souvent des mains où tu les battais et que l'inverse. Ok. Par rapport à sa range de shove cutoff. Toujours tes numéristes qui shove. Et si tu es devant ou pas, c'est souvent. Comme j'ai fait, d'accord? Ici, tu open, Pas de payé par souci. BB. Bon, lui, souvent, on peut dire que la majorité de ses pocket pairs, il les aurait chauves. Pas pour tout le monde, Il mais la aurait majorité, il les tapis. aurait chauves. Les bonnes dames X, il les aurait chauves. Genre, je sais pas, des As-Dame off, Roi-Dame off, Dame 10, Dame Valet suite, ils vont souvent les push. Donc, quand il lui reste des dames et des valets, c'est pas les meilleurs. C'est souvent des petits en suité ou en off. Toi, ici, tu as l'avantage de range. C'est toi qui as les deux dames, deux rois, deux valets, deux As, deux rois, As-Dame, As-Roi. Sauf quand lui, il les trappe, tu vois, pré-flop. Ouais, puis j'ai envie de c-bet les C'est meilleures dames, de bête, toute un façon, tiers un dame. ici. Contre BB, t'es la position qui défend le plus, donc qui check fold le plus. Tu sais bet un tiers parce que t'es en value, mais t'oublie pas toutes les autres fois où t'as rien. Alors, attribue-toi 5 et 6 de pique, comme je t'avais dit tout à l'heure pour l'entraînement. J'ai 5 et 6 de pique, j'ai l'avantage de range. Est-ce que je peux faire fold mieux que ma main si je sais bet? Hauteur 7, hauteur 8, hauteur 9, hauteur roi, hauteur 10, hauteur as. Oui ou On non? fold. Je peux les faire fold ces Ouais. mains-là ou pas? Si je sais bête avec A6 de pique. Non, avec 5 et 6 de pique. A5 et 6 de pique. Oui, je fais fold mieux que ma main Et là. est-ce qu'un tiers il fold aussi bien que mi-pot? Non, il faut que je fasse deux tiers du coup pour faire fold, je pense. Alors est-ce que hauteur As, hauteur Roi, hauteur 10, hauteur 9 à hauteur 7, si t'as 6 et 5 de pique par exemple, il va coller s'il a rien? Non, il va Non. ni coller un tiers, ni coller deux tiers, ni coller Ok, mi-pot. donc c'est pareil. Donc Donc je fais perds ton moins sizing un d'argent à tiers faire en un value, tiers. un tiers en bluff, surtout que quand t'es contre bébé. Et que c'est la position encore une fois qui défend le plus, donc il check fold le plus, d'accord? Donc ça me va, mais plutôt un plus petit sizing. Là, c'est valet 10 off plus, toujours les mêmes ranges. Là, c'est un bottom d'open, c'est bien. Ça prend, parfait. Là, c'est dame valet off plus. Là, on défend 6-7. Donc, j'avais dit l'escalier 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 contre ces Ouais. positions. Et les mains en suité, c'est bien. Et on fold ici. T'as une gutshot, mais le 8 donne une quinte au valet. Ouais, Donc, puis salut. le volet, ouais, c'est ça. Là, ici, on fold, c'est bien. Ici on open, 2x, c'est bien. Bottom, dame 8 off plus, toutes les dames suitées. Ouais. Dame 2 suitées plus. Là c'est 9 et 10 off plus. Là c'est un fold. Là c'est un open, je pense. Tu peux le prendre. De base c'est plutôt 8-7, 9-8 suit. Mais si t'es premier et qu'ils sont un peu plus tight que d'habitude, il n'y a pas de Je chance. Je pense crois qu'il n'y a que pas de. Tu vois, il n'y a pas de j'ai choses pas pris quand différentes il y à a 8 open stacks, 6-5 il y suit a que 10 8-9 stacks. suit. Tu comprends? Ouais, Ça reste des ok. open fold. Bon, ça me va. Après que tu les fold, ça me va. Ouais. On fold ici. Oh pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Tac. Ici on a une défense. Alors ton 3-bet, pareil, c'est en bluff, c'est pour faire fold. Mieux que ma main, Donc mais As-7, As-8, As-9 off, peut-être qu'il fold, mais c'est pas sûr vu le sizing. ouais, Et As-10 c'est off sûr. plus, jamais. Et les pocket pairs, jamais. Ouais, il push, Soit ouais. il call, soit il push. Ouais, Donc si tu veux 3-bet j'aurais en pu bluff call pour pour que sa ensuiter. décision, ça soit tapis ou fold, il faut que ton sizing soit 6 blindes 8, 6 blindes 9 avec sa profondeur ou 7 blindes. D'accord? Ouais, j'avais fait un quart comme il y avait le KO, tu Ouais, sais, genre je. je sais pas, tu peux faire 6 et demi et pas même avoir mis un quart quoi.
Ok, D'accord? Exceptionnellement, même 7. Et s'il fait vraiment tapis 27,59, te dire, ok, j'ai tout juste mis un quart, un petit peu plus, mais je fold quand même. Il y a pas de, c'est pas très très grave, tu vois. Merci le récréatif et Widwin pour le follow, les amis, dans le même temps. Du coup, ici, n'oublie pas que As-6 off, si t'es call, ta jouabilité, elle est bonne ou pas? non, elle est horrible, Donc, je tu veux pense. sa décision, tu veux lui dire, soit tu shove, soit tu fold. Ouais, c'est Donc, ton ça. sizing, il n'est pas assez cher, encore une fois. D'accord? Le combo que Ouais, tu on peut. sélectionnes, il est bon, tu as un bloqueur sur sa range la plus forte, je suis d'accord avec toi. Tu as un bloqueur d'As-Dame, As-Roi, 2-As, As-10, As-Valet, mais c'est ton sizing, encore une fois. Donc Un là, ce qui peu est plus bien, c'est que cher, je pense alors. que le Link Finder qu'on a fait aujourd'hui te fera beaucoup évoluer sur le sizing parce que toutes les règles que je t'ai dit s'impliquent pour plein d'autres spots. Si Ouais, t'es tout malin, que tu le fait. revois bien, t'as pas besoin que le spot, on le revoie 40 fois. C'est juste Ouais, comprendre le ouais. principe, d'accord? De toute façon, si Ouais, t'as des y a... questions ou autre, Jonathan, tu sais très bien que même si je te coache pas et que t'as une question à m'envoyer en privé, je te répondrai. Ouais, Alors c'est les gars, vous voyez sympa. ça vous en vidéo sur Twitch, c'est pas pour marceler toute la journée. Salut Ouais. Mathieu, j'ai vu dans une vidéo que je fais une exception les gars. Alors si vous me posez une question, il y en a plein à qui c'est arrivé, je réponds. Hein. J'essaie de répondre vraiment à un maximum de gens. Je suis pas là à faire la star, mais je reçois beaucoup de messages. J'essaie de répondre à tout le monde, voilà. Mais je vous connais, hein. Il y en a, vous êtes des petits filous. La top-open, bon ça me dérange pas, la rigueur c'est suité, mais je l'aurais quand même pas pris. Surtout deuxième, je pense qu'en off, Ouais, j'open c'est 8-9 suit et 7-4, 7-5 suité au minimum. vrai. 7-3 suité sur la table tranquille, d'accord? Là en fold, c'est 4-5 suit le bottom. Là en fold aussi. Là en off, le bottom dans les, en MP, c'est As-9 off plus, As-8, As-2 off, t'as aucun open. D'accord? Donc là, Ouais, As-4 c'est off, c'est pas assez bon. bon. Donc, tu veux l'open plus loose que s'il joue normal. Mais regarde, lui il flotte et lui il Je shove. me Ça veut fais bien dire qu'il n'y punir. a pas de pression ICM pour eux. Hein. Ouais, c'est clair, je me fais punir, Bon, mais lui il est c'est capé, normal. soit il est en trappe, 2 as, 2 dames, 2 rois, soit il a des mains pas assez fortes pour 3 bet call, pas assez faites pour passer. Donc beaucoup de brodés suités, brodés off, connecteur Oh, suité, as 6 suité, as 6 off. Donc il va beaucoup fold ce spot-là. Merci Nux d'être abonné avec Prime, c'est ton deuxième mois, merci beaucoup. Encore merci pour tout ton contenu de qualité, de rien Nux, mais ça fait plaisir, merci à toi surtout de soutenir la team. N'hésitez pas à faire comme les amis si vous pouvez vous permettre, c'est le meilleur moyen de soutenir la team, me soutenir d'une manière générale. Là vous êtes 130, il y a une tonne de monde sur cette review depuis le début, merci à tous, ça fait plaisir. Là, je passe beaucoup de temps avec Jonathan, j'essaie de le focus à fond pour qu'il soit le maximum content, comme Ah, tous les autres, merci. mais je vous oublie pas les gars, hein, vous êtes avec moi, vous pouvez poser des questions. Alors là, 6 et 7, ça fait partie des mains compactes que je veux limper. Ouais, Alors tu veux juste alors, ce que je limper t'ai dit, c'est que avec là, ça. je vais te faire plaisir, je vais être gentil avec toi, Jonathan. Pour par exemple 30 contre 30, je vais te dire les combos que je vais 3x et demi dans mes pires mains, au moins dans mes pires mains. Et dans mes meilleures Ouais, mains, mais ok. que tu comprennes un peu. Donc, hauteur roi, limp. Hauteur Ouais. dame, limp. Hauteur Ok. valet, valet 7 off plus, je limp, 30 contre 30. Valet 6 à valet 2 off, 3x et demi. Ouais, je Mes me pires valets. polarise ma faible et D'accord? ma force. 10 et Ok. 6 off plus, là je descends à chaque fois dans les hauteurs, faut que tu sois attentif, d'accord? Oh, 10 et 6 off plus, yeah. je limp. 10-5 à 10 de off, 3x et demi. 30 contre 30, hein. Tu me Ok. Ouais, suis? 9-5 off plus, ouais. je limp. 9-4 à 9 de off, 3x et demi. 8-5 off plus, je limp. 8-4 à 8 de off, 3x et demi. 7-5 off plus, je limp. 7-4 à 7 de off, 3x et demi. D'accord? 6-4 off plus, je limp. 6-3 à 6 de off, 3x et demi. 5-4, 5-3 off plus, je limp. 5 de off plus, 3x et demi. 4 de off plus, enfin 4 de off, 3x et demi. 4-3 off plus, je limp. Ouais. D'accord? 3 et 2, je 3x et demi. 3 et 4 off plus, je limp. Et pareil pour Ouais, la parce... hauteur 2. Donc du coup, 2 et 3, je 3x et demi, 2 et 4 aussi, 2 et 5 aussi, 6 et 2 aussi, 7 et 2, 8 et 2, 9 et 2, 10 et 2, valet 2, jusqu'à dame 2 où je limp. ouais, c'est noté, ouais, c'est vachement important le SB contre Voilà, BB, là parce que tu te rends compte que c'est... souvent, dès que les hauteurs à descendre, bah tu vois, je retiens au minimum les mains qui font des quintes en off. Là, Ouais. je t'ai cité que les mains non suitées. Hein. En Ouais, suité, de ok, manière ouais. générale, tu les limpes parce qu'elles ont beaucoup plus de jouabilité que tes mains en off, elles font plus de flush, tout ça. Merci sans gêne pour le prime, merci beaucoup de ton deuxième mois aussi, bienvenue dans la team. Du coup, t'as foldé, mais c'était plutôt une main qu'on limp. Toutes les autres Aujourd'hui, mains, nos ouais. meilleures mains, nos pires mains, on va garder du coup nos meilleures mains. Donc 30 contre 30, nos meilleures mains, je te donne des exemples, ça va être 2-7, 2-7 plus, donc avec lesquels je peux 3x et demi call un tapis. Ça va être des, je sais pas, As-Valet suité plus, As-Dame off plus. Et on va dire au minimum, voilà ces mains-là à peu près. Les broads de suite et tout ça, je vais les limp call ou les limp re-raise all-in. Paire de 6 à paire de 2 sur un limp 30 contre 30, je vais limp et 6 d'iso, limp re-raise all-in. Ouais, cool, ouais, Tu en vois, gros, ciao. limp shove, pas comme ça, au moins je garde sa range de bluff que je ferai fold si je 3x et demi moi-même. Et encore une Ouais, fois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Paire de 6 à paire de 2, on veut pas 3x et demi call parce que sa range de 3 bet all-in, 30 blindes direct, souvent on sera au mieux en flip. Alors que là, quand on a 2-7, 2-8 plus, bah, il peut chauffer paire de 6 à paire de 2, même un très bon joueur théoriquement, et on est devant.
On est en 80-20, on n'est pas au mieux qu'en flip, tu vois ce que je veux dire? Et sur toutes les autres fois où il nous call pré-flop, tu vois qu'on a paire de 6, à paire de 2, notre jouabilité, encore une fois, elle est dégueulasse. Alors que 2-7 plus, on peut faire des brelans, hormis faire brelan, on peut faire des overpairs. Ok? Là, on fold, fold. Là, on open, c'est bien. C'est défendu, avantage de raid chez nous. Jamais de walk du coup. Alors si Wishiki, par contre 30 contre 30, non, j'en ai aucun Wishiki. Par contre 30 contre 100 blindes, bah est-ce que si j'ai 9 et 2, je fais fold beaucoup mieux que ma main? Non, sauf si je joue ses mains, bah je vais lui laisser. Ouais, Et en je le fais fonction moins du stack, équilibré, tu ouais. comprends, j'en attends, je te l'expliquais tout à l'heure, mais Ouais, voilà, en fonction du Wisei, stack, je vais pas TKS. m'amuser. Si, ouais, si le joueur il me couvre beaucoup, Voilà. j'évite de faire ça. Souvent, plus les joueurs sont profonds, moins ils fold ces mains-là. Ok, Ok, ouais. alors là c'est pareil que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est BB, c'est la position qui défend le plus, ses meilleures mains pré-flop, repère-les. Genre tous ces Asics suitées et ces bons Asics soft, souvent ils vont push. Ouais, ils ont Sauf les s'ils jouent push le palier, mais on a dit que là fermés. il les jouait pas sur un tournoi comme ça. Du coup, bah souvent lui il lui reste que des Dame X, 9X, 5X dans les mains les plus faibles. Pareil en Asics off, il va shove beaucoup de mains, genre As-7, As-8 off plus, tous les As suités. Au niveau des pocket pairs, ça va être 2-2 plus. Les Bro des suités, genre les Rois 10, Rois Valet, Dame 10, Dame Valet suité, tout ça, souvent ils vont push. Donc pareil, tu as l'avantage de range, tu bloques les bonnes dames, tu bloques roi dame, roi 9, dame valet, dame Avec valet 10. 9. Tu bloques les mecs qui vont le plus check raid, genre valet 10, roi 10, roi valet, valet 8. Tu peux faire fold mieux que ta main ou pas? Oui, il a des As-6 off qui va pas forcément shove pré-flop que tu feras fold, genre As-2, As-3, As-4 off. Et toutes les mains qui n'ont pas touché. T'es contre bébé, un tiers suffit à faire fold ces mains-là. Parfait. Là on fold, 9 et 7, 9 et 8 off plus, 9 et 8 suité plus le bottom. Là on fold, le bottom au cutoff ça va être 7-5. 7-5 off plus, je dirais au minimum. Là, on fold. Là, on fold. C'est pas une main que j'ai envie de laquelle, avec laquelle j'ai envie de défendre. Pareil, en Ouais, mnémotechnique, tu peux te PTG, dire ouais, j'avais pas à envie. partir de quel roi X off ils vont open. Est-ce qu'ils open Bah, je ici la pense population roi 10 Roi-Dame. off? Non. Roi valet Non, off, c'est même pas Roi-Valet, sûr. off. Donc ça va être roi dame. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie de flat en Roi-Dame, dessous ouais. de roi dame, tu vois. Ouais, Pourquoi, encore je une suis fois, à plus quoi au bon roi faire des après, top mais pairs qui ouais. sont dominés, quoi? Alors par Ouais. contre, quand j'ai roi valet off ou roi 10 off, ça veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'open, encore une fois, valet 10, dame 10, dame 9, des brodés suités, connecteur suité moins bon. Mais il va mieux la jouer souvent que moi, tu vois. J'ai pas envie de faire Ouais. des top pairs dominés, donc voilà, ça c'est bien. Là on fold, parfait. Là on open, c'est le bottom, c'est bien, on est plus que 5. À ta place, là on défend toutes les mains suitées, c'est bien. Check fold, donc pareil, ça t'as dû le voir avec les vidéos. Peut-être pas des trucs que tu faisais avant ça. Non, pas trop. Après, j'ai regardé, ouais, j'essaie de me voir à peu près ce qu'on défend le plus et les mains Ouais, suitées, je ouais, vois. généralement, on va Mais là, défendre c'est un peu plus intéressant parce large. que tu vois, en BVB, là, tu limes 6 et 5 et tout à l'heure 6, 7, t'as foldé. Ouais, quand j'ai revu, j'ai dit, je colle tous les jours Bah, normalement. c'est Ça pas fait grave, mais au 6 moins jours en que ayant j'ai bien fold. appris cette règle-là et comprendre un peu le truc, c'est que là, tu ne feras plus l'erreur au moins. Donc là, pareil, je suis au flop, j'ai rien. Par contre, c'est des ranges très larges, genre il en sait rien, que je peux pas avoir 10-3, 10-8, 8-3 en suité ou des bons Ça. 10. Ou de base, je les limp re-raise all-in avec paire de 3 pré-flop et que j'ai fait brelan. Un exemple. Ouais. Du coup, j'ai le droit d'avoir des mains fortes. Si je chebet, enfin si je stab, c'est en bluff. Est-ce que je peux faire fold Ouais, puis je hauteur peux 7? attaquer les cœurs et puis les 7, les Est-ce que 9. je peux faire fold déjà au flop si je bet en bluff hauteur 7, hauteur 9, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi, hauteur Hauteur as? valet. Bah Ouais, oui. ouais, ouais. Et je peux Parce attaquer que si au tes cas où cœurs il me au top call 6. bah, des 4, des 7, des 9, des tirages quintes, Ouais. des cœurs, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Ouais, je crois que c'est. Ouais, Par ouais. contre, check call, pas bon, parce que quand Ouais, j'avais turn ça pas fait vu. Ouais. 4 ou 7 et qu'il de barrel, une des meilleures pour toi, s'il fait cher, t'es censé check fold quand même. T'as pas la cote. Donc tu vas jouer l'amélioration de ta main. En mode défense, alors que là tu pourrais le jouer en attaque et faire fold mieux que ta main dès le flop. Ah, je sais pas pourquoi j'ai pas pris le lead et attaqué moi en fait. Bon, c'est pas Ouais, grave, bah ça je fold. permet de voir Ouais. l'erreur et de plus la faire. Toujours pareil. Là il open, shove, donc pareil. Ce qui est bien, c'est que deux dames, deux rois, deux as, souvent ils vont open. As dame suité, as roi off, souvent ils vont open, ils vont pas shove. Ça dépend des joueurs, mais souvent ils vont pas shove. Donc quand ils shove direct, c'est souvent au mieux des deux 10, deux valets, as dame, as roi. Sinon, c'est souvent des paires de 9 à paire de 2, enfin paires de 10 à paire de 2, des bro de suité, as 6 suité assez haut, genre as 8, as 9, as 10 suit, as 7 suit, des as 6 off, as 9, as 10, as 8 off, tout ça. D'accord? Est-ce que, une petite question pour là, pour la paire de dames, j'ai hésité à limp pour Alors, une s'ils blinde sont parce que vraiment j'ai pas 9. compétents et qu'il en sait rien ici que t'as jamais de call fold, c'est-à-dire j'ai collé Ouais. 14 pour folder, bah peut-être que Ouais. s'il a 2-10, 2-9, 2-8, 2-7 et que Le des fois il show. folderait si tu ferais tapis, là il va tout le temps l'engager. Ouais, c'est pour Donc, ça, je savais pas retiens le si je call devais show check. sur des joueurs pas Ouais. compétents que tu peux induce. Si tu penses qu'ils feront jamais d'erreur parce qu'ils savent que t'as pas de call fold, bah call 14 blindes ici quand il te reste, je sais pas, 80 blindes derrière, qu'ils puissent penser que tu peux le call 14 et folder sur leur stack à eux. Enfin, Ok, qu'il leur ouais, reste à eux là on un n'est gros pas assez stack aussi, profond, tu vois? Call pas ouais, je vois 14 pas les alors bons que lui joue choix. 40 et 19, genre tu vas jamais folder quoi.
Oui, ok. D'accord? Donc pareil que contre des joueurs pas compétents, tu peux just call, mais dans ce cas-là, deux dames, deux rois, deux as. Il Ok, faut être ça d'accord. me va. Bon, tu vois, il va se valer à peu près, c'est pareil, c'est toujours pareil. Bon, là on fold, là on défense, il open. Donc là on n'est plus 4. Donc là c'est à ce moment-là où il y a de la pression quand même pour le joueur qui est deuxième, troisième, E2. Ouais. Donc là tu peux limp, ça me va. Bet quand même, bloque les bons neufs. On peut faire fold hauteur valet, hauteur 10, hauteur dame, hauteur roi. Bon, bet à la turn, pareil, t'es en semi-bluff. Pour T'as faire une gut fold mieux que shot. ma main, du coup. Du coup tu bet 2 tiers plutôt. Ok. Je bet en semi-bluff, je veux faire fold mieux que ma main. Qu'est-ce qui est mieux que ma main? Paire de 7, paire de 8 à paire de Hauteur 2. roi. Et hauteur roi, hauteur dame, hauteur as. Hauteur dame. Si je veux faire fold toutes ces mains-là, très souvent, c'est 2 tiers. Ouais, c'est ça l'assassin erreur que je fais. Quand je fais fold mieux que ma main, je pense que je dois faire un tout petit peu plus cher. Je Bon, c'est faisais un détail, c'est mid-fold des pour règles être. très larges, mais retiens-le, c'est mieux. Parce que surtout quand t'as un valet ou un 9, si bah, imaginons t'as un 9 et qu'il a un valet, il collerait aussi bien 2 tiers qu'une blinde. Donc dans les deux Ouais. cas, il y a du sens, tu vois. Ok. Ok, valet 2, on a fold. Si tout le monde fold, c'est valet 8 off plus. Si vraiment, là, le mec est deuxième et lui, il est troisième et qu'ils overfold de mutant, tu peux open. Dans ce cas-là, tu fais 2,5. Je sais pas si t'as vu la Ouais. vidéo review premier pour 29 000 euros avec un joueur que je coach qui a gagné Si, ouais, 30 000 euros sur un j'avais vu tournoi. celle-là, Bah, en j'étais TF, tu vois, il a intéressant. beaucoup fait 2,5. Mais en gros, Ouais. on met la pression ICM. Eux réduisent leur range de défense. Donc, nous, on augmente notre fréquence d'open. Tu Ouais. vois, eux, ils défendent moins de mains. Donc, nous, mathématiquement, si on veut gagner de l'argent, on en open plus. Ouais, C'est puis il y avait des pas compagnies. naturellement qu'on aurait open, mais par contre, on veut leur laisser une moins bonne cote de défense, donc on augmente notre sizing d'open, qui est de Ouais, base mais 2,1, 2 ok. blindes tout le temps, ou 2,5 ici. D'accord? Ouais, c'est Donc là, tu es noté. contre le dernier, donc lui, il n'a pas de pression, donc jamais contre le dernier. Ouais, voilà, il peut push à n'importe quel Voilà, il moment. va jouer libéré. Bon, là, il 3x, c'est ses meilleures mains, ses pires mains. Souvent, quand il 3x, 34 blindes contre 44, c'est plus penché value que penché bluff. Ouais, j'aurais dû, je Donc pense que je celle-là, tu dois peux la faire. fold, je pense, défendre 9 et Ouais, 8, 9 et 7 shoot. ouais, ça va me causer. Le coup va être important. Bon, call de barrel, il a des bluffs, 8x, 9x, roi, dame, as, roi, Dame dame 9, valet, 8, je sais pas, dame 9, roi 9, tout ça. ouais. Et il check, bon, souvent quand il check cette dame-là avec des 8x, 9x, d'accord? Ouais. Il serait servi de cette carte-là pour bluffer. Bah, Donc c'est souvent quand il ça, check, il a de la showdown, donc ça va être genre des valets. Souvent deux paires, il aurait bête, genre dame 10, dame valet, donc c'est souvent des valets, ou après ça peut être des as-dame, roi-dame qui va te laisser bluffer. Mais souvent c'est ça, ils vont ben. value au river, donc je pense que c'est souvent un valet. Est-ce que tu fais fold un valet ici? Pas sûr, sauf si tu fais tapis. Je pense. Si tu fais Ouais, tapis ici, il va je avoir du mal à coller avec un valet quand même. Mais bon. Par contre, 8 blindes, c'est pas sûr qu'il fold un valet, tu vois. ouais, j'ai Donc bon, il a roi-dame, ça tape change rien. Moi, je pas. pense qu'à ta place, j'aurais fait tapis ou give up river. Mais en tout cas, je fais pas ce sizing là parce que même si de temps en temps il a quelques dames, je pense que souvent ils vont les bet. Et quand il les check, bah, c'est pas pour check fold, peu importe le size, mais c'est surtout toi ce que tu veux faire fold de mieux que ta main, c'est un 10, un valet. Si Ouais, tu sais que essayer dans en les fois fait, où il a voilà, checké une de dame, il la fold jamais, tu t'attends pas à faire fold de ça, tu vois. quand je le vois, ouais, bet flop et turn, je me dis, Ouais, je peux je peut-être comprends ce que faire tu veux dire. fold un valet ou un 10, mais. Je comprends ce que tu veux faire, mais dis-toi, sauf si c'est un bon joueur qui va réfléchir second degré, pour augmenter ta fold equity sur un valet ou un 10, repère ce que tu veux faire fold de mieux que ta main et maximise ton bet en fonction de ça, tu vois. Même As-Valet, je pense qu'il colle le sizing que je fais Voilà, là. alors que tapis, c'est pas sûr. Ou au Ouais, moins, peut-être tapis, pas tapis, non. mais je sais pas, 13 blindes, tu vois, tu le mets en PLS. Ouais. Au moins Ok. 2 tiers, d'accord? Bon, là, pareil. Si on est toujours chip leader comme c'était le cas tout à l'heure, bah là contre le troisième, là j'aurais Analysons. fait avec cette main-là 3x et demi. Ouais. Là on fold, c'est bien. Là on fold. Là aussi. Là on va défendre. Si ça open, bon il 3 bet, on fold. Lui il met bien la pression. Là on Ouais. fold. Du coup là c'est à nous d'attendre. Maintenant on se retrouve un peu les fesses entre deux chaises. On n'est plus Bah, premier, c'est on n'est ça, plus là. Les dernier. trois, on se regarde. Du coup là celui-là je l'aurais pas pris vu que tu open contre le dernier qui a pas de pression et lui il peut te la mettre autant de fois qu'il veut s'il est bon. Hein. Ouais. Ce qui peut chauffer des mains, tout simplement que tu peux pas call avec la pression du League Finder. De l'ICM en gros, d'accord? Donc fold-le celui-là. Là du coup, 3 bet, tac. Fold. Valet 10, pareil, du coup je le prends pas. Ah là, t'es dernier, donc là je le prends, ça me va. Et je fold. Alors pareil, quand on a un gros chaos sur notre tête, là je le vois pas parce qu'il y a un petit bug d'affichage, on le voit pas. Mais quand t'as un gros chaos sur ta tête, t'as moins d'open fold 15 blindes que C'est dans un trop tournoi bête normal. ici là. Ouais. Parce que de base, ils vont plus shove, tu vois. Vu qu'ils vont se dire Ouais. dans les fois où ils se trompent, ils prennent ton KO. Ok. Donc tu peux le fold direct, exceptionnellement, si t'as un gros KO sur toi. Là, on fold. Là, on défend. Bébé contre bouton. Valet 7, je dirais, c'est le bottom. Bon, là, on shove. SB contre bouton. Roi 8 suit. Je pense qu'en off, tu commences à shove Roi 10 off. Du coup, Roi 10 off, Roi 7 suit.
deux trois combos en dessous ensuité. Je pense qu'il a plus d'open fold que d'open call. Il peut open call des mains moins bonnes, genre Ouais, des puis valets il a 10, quand dames même 10, stack dames au valets milieu, je suit. peux shove. Voilà, t'as pas mal des feux. Si fold plus souvent qu'il call, bah, tu prends 4 blindes d'argent mort. Quand t'en joues 12 en tout, c'est un tiers de ton stack, sans showdown, Ouais, quoi. ok. Je pense que t'as autant d'équité que quand tu shove As 9, tout ça. Autant de V à le faire. Bon, là, on fold. Donc, du coup, t'es short. C'est à toi d'attendre maintenant. T'es dernier, mais tu peux pas faire grand-chose. Ouais, là, il... Ouais. Là, tu Ouais, tu peux. push. Ouais, c'est Parfait. mort. Roi 9, ici, je fold. Je pense que je push Roi Valet. T'as contre Dame Valet ici au cutoff, c'est un Peut-être, push. ouais. Ouais, je pense que J'aurais même pu shove. Valet 10, c'est un push. Dame 10 aussi en Ah ouais, bluff. j'aurais pu shove, ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais, derrière, il chauffe, je crois. Là, on Il se prend. fait push, ouais. Là, on fold. Là, on fold. Là, on le prend pas. Bon, cutoff, par contre, tu peux défendre. Bébé contre cutoff. Je pense que le bottom, c'est Roi 5 off plus. Et en plus, ici, quand t'es moins profond, tu peux te dire de manière générale, je vais réaliser beaucoup plus mon équité facilement que quand on est 50 deep. Genre, je te donne un exemple. Imagine, vous êtes 50 bébé deep. D'accord? Tu défends. Ouais. Flop, dame 6-2. Bah, tu vas faire quoi au mieux? Tu vas check call un c-bet. Tu vas pas Ouais. check raise, tu vois. Alors que là, Non. ici, tu défends. Il y a 4,98 blindes au milieu. Flop, dame 6-2. Tu peux même donc bet all-in. Ouais, je peux chauffe Tu direct, je vois? Ou pense, même si je si peux tu check chauffe. et qu'il bet, faire tapis. Parce que quand il va c-bet, il y aura 6-7 blindes au milieu. Toi, t'en joues plus que 8, tu vois. Même dans les Ouais, fois où je il peux c-bet faire. fold, t'es trop heureux, quoi. Ouais. Tu comprends? Donc, tu peux, dans l'image, réaliser ton équité beaucoup plus facilement que si t'étais très profond. Ok. Donc, encore plus une raison de défendre, d'accord? C'est ce qui s'appelle dans le terme stop and go. Quand on défend Ouais, très profond, en gros, on touche notre équité, on stoppe l'action et on go, tu vois. On défend, genre, en gros, c'est parti. Donc là, on y est. T'as voulu limp en induce, ça me va. Bon, après, à ces profondeurs-là, je pense que t'as pas de limp call de limp fold, tu vois, vu qu'il va beaucoup plus chauve, ce que je te disais tout à l'heure. 9 blindes dans un temps normal, t'as encore du limp avec tes meilleures mains ou des mains avec intermédiaires qui sont assez jouables, genre 8, 9 off, tout ça. Quand c'est un carreau, ils vont trop chauve. ouais, je vime pour que le Donc là, tapis, tu peux faire tapis direct, je pense, ça serait revenu au Bon, même. là, c'est un flip, j'ai eu chaud. Parfait. Du coup, lui, il est dernier. Là, Un il limp. tight, Bon, je je pense, crois que t'as j'ai. check parce que tu jouais la pression du palier, ça me va. Exactement, Là, ouais, check j'ai back, vu. c'est plus dans sa range. Bon, là, par contre, bête de tiers, parfait, t'as des bluffs. 7-8, 7-9, 8-9, roi 10, roi dame, dame 10, flush draw, t'as pas forcément bête au flop. Très bien. Ici, 5 et 7, on fold. Ici, 8 et 3, on fold. Dame 8, on fold. As 7 suit, on y est. Bon, il Là, je vais open, t'as plus des. faire tapis, mais du Ah! coup, je laisse un peu. En fait, là, je fais un fold tight. Je pense que j'aurais pu Ouais, faire défends quand tapis, même, mais. ouais. Après, pour la pression, je comprends. Bon, là, les derniers, par contre, faut push là, Là, je fais parfait. tapis. Ouais, ça, c'est sûr. Là, on fold. Ok, donc là, t'as limp. Ok, quand t'as pas envie de l'open fold et t'as pas envie de la fold direct, tu peux limp. Mais je pense qu'avec la pression ISO, j'aurais fold directement. Ok. Alors, j'ai même pas envie de faire flush draw que je bet et qu'il me check raise, tu vois. Si tu joues vraiment le palier, tu fold direct, je pense, c'est mieux. Bon, check, check. Ça me va, t'as showdown ta main tranquillement. Bon, il a pas. Heureusement, il a pas semi-bluff. Bon, parfait. Oh, il le sort, parfait. Du coup, là, t'as assuré du truc. Du coup, là, il n'y a plus de pression. Je pense qu'il faut 3 bet all-in direct. Bon, juste en différence, vous jouez le nombre de mains que vous allez leak finder avec moi. Mais tu vois, encore une fois, Exact, ouais. même des fois, si tu Ouais, revois que après, 100 mains, c'est... t'apprendras mieux qu'en en voyant 300 sans explication, quoi. Je pense, sans prétention, donc c'est pareil. Là, il a plus d'open fold que d'open call. Tu peux te faire call par des mains moins bonnes, paire de 10 à paire de 6, je sais pas, des exemples, des As 10, As Valet, As 9 off, des As 6 suit, tout ça, des broadway suité. Là, on open, parfait. Avantage de range chez nous, je pense que tu peux c-bet un tiers, faire fold les mains qu'on n'a pas touché. Et si 13, t'as pas de jouabilité, t'as rien, t'as pas de décision. Bon bah là, il l'a fait doubler, j'aime pas son call. Bon là, limp, moi je chauffe pas, je pense roi 10 off au minimum. Roi 9 à roi 2, je me permets encore de limp ici. Si on a un gros KO, bah je limp roi 9, roi 8 off si tu veux, mais je fold roi 7 à roi 2 off, c'est pas grave. S'il chauffe trop. Et s'il chauffe trop et que vraiment que t'as l'info, tu peux fold direct roi 9, roi 8 off, tu vois. Parce que t'es 15 bébé deep et vous êtes en KO, t'as un gros KO sur toi. Si c'est 15 dans un tournoi normal, tu folles jamais. Hein. Parce qu'ils vont pas chauffer autant 15 blindes sur un limp dans un tournoi normal que dans un KO. Tu comprends un peu le truc? Roi 4, il limp check du coup. Deuxième paire. Bon là, je pense que tu peux bet tous ces as, ils vont bet sauf en trap. Deux Ouais, tiers, ce du coup, que on a j'ai des fait bluffs. pour tester un peu. On a des bluffs 3x, 5x, flush draw. Donc value les 4 moins bons, les 2, les tirages. Là, ici, tapis direct, ça me Push. va. Parfait.
Du coup, pareil, paire de 6 à paire de 2, tapis direct dans la situation d'avant, et paire de 7 plus, je limp call un tapis, et je limp re-raise all-in si l'iso. Comme avec les 9 tout à l'heure, Voilà, ouais, exactement. Là, on défend par contre 2x5, 9-5 off plus, tous les 9 suités. Là, je pense que tu peux faire tapis, 15 blindes ok. direct, dame Ah, 10 ça suit, c'est tu joues une ton décision. équité à fond, et Ok, surtout, tu peux pas comme limp call un ça. tapis. Genre, imagine, il a, je sais pas, par exemple, roi 9 off, si tu fais tapis, pas sûr qu'il fasse qu'il call. Et si tu limp et qu'il chauffe, t'as pas envie de limp call, quoi. Ouais. Bon, bête, par contre, j'aurais bête comme j'aurais fait au flop si j'avais rien touché. T'as check, check, check à la turn. Souvent, il est capé. Au mieux, il a full au 2, 10 et 2. Souvent, c'est un 8, paire de 7 à paire de 3. Des PP, des auteurs ou des give up. Après, des PP qui n'ont pas chauffé flop, c'est très rare quand même. Bon, petit side, je pense. Toi, tu check pour check raise, mais tu fais face à une range qui est showdown ou abandon. Donc, il va pas forcément bet au flop, check à la turn et bet river. Ouais, j'aurais dû bet value Bet les 8, petit, mais parce les que 7. 7 et 9, valet 9 est rentré. Il te reste quoi en bluff dame valet? Et c'est tout quoi. Oui, je 6-7, bet petit. 9-7, tu S'il chauffe, transformerais je fold pas. de toute façon. Moi, je suis certain ici qu'il va check hauteur As 1-2. Ouais, 9-8, voilà, ça. 1-2. Présente sa main quoi. Bon. C'est ça. Ouais, il l'a sorti, on peut regarder comment. Bravo à Ah, je crois que Pidez. c'est. Ok, roi dame contre As valet. Du coup, la tendance à chu. Bon, je défends. Bon, il y aura pas mal de points à dire. Là, j'aurais limp. Là, je défends mes mains suitées, c'est bien. On a fait une gutshot, il check. Bon, je pense que valet-dame, roi-valet, il y en a, ils vont check s'ils sont bons, mais souvent ils vont bet. Après, il peut check des valets meilleurs que toi, donc je pense que tu peux la check celle-là. Si tu bet, au cas où, tu fais deux tiers. Parce que t'as des bluffs, t'as des rois X, t'as mix, des flush draw, tu pourrais jouer comme ça. Petite erreur, ça, je crois. Et jouer comme ça, du coup, je pense que je fais petit. C'est bien. Qui colle un valet moins bon, des... Bon, il n'y a pas beaucoup de valets moins bons, mais des 9, des 10. Après, je pense que le check est mieux à la turn quand même, il y a des valets meilleurs chez lui. Limp ici, c'est bien. Je pense qu'on peut bet. On bloque roi 9, roi valet, les bonnes dames. Avantage de range chez nous, on peut attaquer tous les trèfles, tous les 9, les valets, les as à la turn. Les rois. Et s'il bet à la turn, je vais devoir folder, c'est pas grave. Défense, tous les mains suitées. Check fold, c'est bien. Là, on limp. Ah. Bon, là, t'as 2.7, pareil, en value, en bluff. Si t'es en bluff, c'est pour faire fold mieux que ta main. Tu fais pas fold mieux que ta main quasiment. À part les pires suitées que quand tu limp, c'est pas sûr qu'il iso. D'accord, donc plutôt limp. Là, tu raises une main qui est trop jouable. Et tu feras pas fold assez mieux que ta main, surtout avec la profondeur qu'il a et le fait que c'est un KO et tout, tu vois. Bon, c'est bête tout petit. Ça va, tu t'en sors bien. Là, il limp, je pense que tu pouvais push. Quand il limp, c'est ses meilleures mains ou ses pires mains. On bloque ses meilleures mains. Genre, je bloque 2 rois, as roi, 2 10, as 10, roi dame, roi valet. Je peux lui faire fold 2-10 aussi. Je peux lui faire fold mieux que ma main. De temps en temps, bon, les petits asics off, ils vont sûrement les push, mais. Et on fera rarement fold mieux que notre main, mais s'il lui en reste quelques combos, c'est pas exclu qu'on lui fasse fold, mais surtout on peut se faire limp call par des mains moins bonnes. Des bros de suité, connecteurs suité, tout ça. Et toutes les autres fois où il va limp fold, je pense qu'il en a plus que de limp fold que de limp call, bon, on prend l'argent mort, d'accord? Je pense en priorité, on veut chauffer avec des mains avec des bloqueurs, ça me va. Bon, deux tiers, t'as des bluffs, valet 10, valet dame, dame 10, dame valet, 8, 10, valet 8, valet 10, 6 et 8, 5 et 6, flush roi à pique. Je sais pas, quand il check le flop, il a au mieux brelan de 9, brelan de 7, brelan de roi, sinon il représente sa main, paire de 9 à paire de 3, enfin paire de dame à paire de 3, des 9, des 7, des auteurs ou des give up. Je pense que du coup, t'as des bluffs encore en perçu à la river, valet 10 c'est rentré, 8, 10, valet 8, t'as fait une paire, c'est rentré, t'aurais pas bluffé, 8, 6 c'est rentré, t'as pas bluffé, 5, 6 c'est rentré, t'as value. Du coup, t'en as pas une tonne de bluff à part des dames 10, dames valets, des piques. Je pense qu'il foldera jamais un 9, mais ses meilleurs 9, il est bête au flop. Du coup, je pense qu'il a plus souvent un 7, un 2, une PP. Quand j'ai moins de bluff, du coup, je Tu peux peux faire faire un également moins tiers, ouais. cher. Ouais, tu peux Ouais, faire un moins tiers, je cher. pense. Plus j'ai de bluff, plus je fais cher. Moins j'ai de bluff, moins je fais cher Ouais, en voilà, fait. je pense. Surtout quand tu détectes que sa range, elle s'arrête souvent au flop au mieux entre paire de 8 et paire de 3, des 7, des 2, tu vois. Parce que ses meilleurs 9 et ses rois, ils bêtent tout souvent le flop. Ça, c'est logique, mais. Limp. Fold en iso, ça me va, c'est très bien. Là, il open, je shove, il a plus d'open fold que d'open call. Je bloque s'il me crush le plus. Deux as, as dame, as roi, as valet, as 10. Pareil pour open call, roi dame Chaud. suit. Donc, Benjamin, l'avantage de range, il est chez toi ou pas? Bah, il est chez moi du coup et c'est Bah non, il l'erreur est que pas je chez toi, fais tu depuis le défends. début de la vidéo, c'est je fais fold mieux que ma main quoi si Tu défends, il est pas chez toi l'avantage de range, vu que lui, c'est lui qui peut avoir deux as, deux dames, deux rois, as dame, as roi, que toi, tu les as pas, sauf quand tu trappes. ouais, autant pour moi là le sur Donc le pas de donk mais bet ouais ici, je quand j'ai le colle roi ou quand je l'ai pas d'ailleurs. Parce que non encore je une fois, colle les mains que check tu mais fais fold, c'est des mains que tu dominais. Bon, c'est pas grave, t'as envie de check fold quand même, mais bon. Ça accomplit rien, c'est pas grave. Bon là, on limp. Pareil, tu 2.7 en bluff pour faire fold mieux que ta main, ça arrivera pas avec ce combo. Mieux que ta main, c'est des pocket pairs et des As-4 à As-3, quoi. Ok, plutôt limp call en iso. Ici, bon là, tu peux par contre, Ouais, là je l'ai quand fait, on je a crois. 25 blindes, Là on je fait l'ai 3x et fait. demi.
Je t'avais dit, tu Ouais. vois, là, bon, là c'est normal que tu fasses l'erreur, tu savais pas, mais plutôt 3x5. Par contre, est-ce qu'on peut faire fois mieux que notre main? Oui, des vieilles hauteurs 9, des Largement, hauteurs ouais. 10, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi. Donc là, c'est bien. Ouais. Avantage de range chez nous, on sait bête un tiers, comme on l'aurait fait si on avait As-Dame, 2 rois, 2 As. Ça suffit à faire fold toutes les mains qu'on n'a pas touché chez lui. Je joue pas ma showdown value avec mon 3, je préfère c-bet range comme je l'aurais fait avec toute ma range. Par contre, un tiers. Je suis pas Ouais, mi-pot, ouais, quoi. ouais. Parce que dans les fois où j'ai roi valet off, je sais pas, ou imaginons, comme là, 8 et 2 off, j'ai iso et je veux faire fold juste hauteur 9 à hauteur As qui n'est pas touché, bah un tiers suffit. Pourquoi faire plus cher, tu vois? Ouais. J'économise la virgule. Ok, 10-4, pareil. Donc là, j'aurais plutôt limpé. C'est pas un combo que je vais isoler, même insuité. Là, il limp. Bah, pareil, là, tu peux isoler, coller 3,5 et coller tapis. Pas de c-bet. Check fold, ça me va. Même s'il y a quelques bluffs, ça va être dur à jouer à la turn. Limp ici, c'est bien. Bet. On peut faire full mieux que notre main. Une blinde, on peut débarrel toutes les turns. Lui, c'est meilleur As. Ils auraient isolé préflop, donc il lui reste que ses pires. À la turn, je peux faire fold des 6, des 8, des paires de 7 à paires de 2, qu'il a peut-être pas tout le temps shove préflop, même si souvent ils vont shove leur pocket pair, tu vois. Sur un Ouais, limp préflop, et je surtout, je peux faisais faire fold pareil, je hauteur crois. roi, hauteur dame qui a call une fois, tu vois. Donc deux tiers, pareil, deux barrels, deux tiers. Bon, le sizing, ton bet il est bon et ton combo, mais ton sizing pas. Parce que les À chaque 6 et fois, les je fais 8 vont demi-pot, toujours ouais, j'ai call. l'erreur de. Il faut que je passe plus cher. Surtout quand tu donc deux barrels pour give up river, on met lui plus de pression à un 8 et un 6 à la turn. Parce que là, il se À la régale à turn, ouais. mi-pot, tu Ouais. vois. Ça, c'est une Donc je trouve que erreur que c'est bah, ça intéressant. fait. Ouais, ok. Ok, intéressant, spot suivant. 9-3, fold. On défend 9-5 off plus. Là, je fold. Là, je fold aussi. Je défends 10-6 off plus. Là, je limp. Mais encore une fois, si on a un gros KO, oublie-le. Si le mec chauffe plus souvent, tu le fais que contre un mec qui se laisse faire. Et là, sur un board monocolore, je peux quand même bet un tiers, enfin une blinde pour faire fold toutes les mains qui ont rien. Deux barrels, Ah, c'est ce tous que les j'ai piques fait, à la ouais. turn. Genre, par exemple, Mais... si turn, ça fait 7 de pique. Bah tu 2 barrels parce que des 3, des 2 et des 9 qui n'ont pas de pique à la turn sur 2 barrels de tiers vont folder. Donc je peux faire fold mieux que ma main, tu vois. C'est ça, ouais. Par contre, Juste si pas j'ai trop tard. 6 et 5 et ça vient 9, 3, 2, turn 6 de pique, bah mon 6 de pique, je bats déjà des 3 et des 2 qui n'ont pas de pique, donc j'ai pas Ouais, besoin de donc je vais bluffer. checker. Voilà, ok, t'as compris la Ouais, différence. quand je touche, en fait, quand j'ai de la showdown, je vais checker. Quand j'en ai pas, Voilà, faire fold mieux que exactement. ma main, je vais c-bet. Ouais. Exactement. Parce que dans les fois où t'as de la showdown, les transfos en bluff, ça serait pas bon parce que t'as des meilleurs combos comme celui-là où t'as jamais rien qui sont mieux à transfo. Ouais. Et t'as des mains de value aussi. Ouais, Bon avec le là, 6, roi pour 10 gagner. off, Ouais, roi 8 suit, ça me dérange pas de faire tapis direct. Je j'aurais retire dû. pour le Ouais, voir je crois moins que je bien. touche, ouais. La défense, 6 et 8. 8 et 5 off plus en BVB. Là en limp, ça me va. Oh. Sauf encore une fois s'il chauffe trop, tu peux la folder exceptionnellement. La bête, on peut faire fold mieux que notre main, de barrer toutes les turns vu qu'on a flush draw. Deux tiers, du coup, peut-être Non. là, j'ai fait mi-pot encore. Ah non, jamais. Une blinde, une blinde. Une blinde, ok, ouais. Pareil ici, pourquoi deux tiers alors que si t'avais, je sais pas, deux dames, deux Ouais. rois, deux as en trappe, tu voudrais pas lui faire trop fuir quoi, des mains. Ouais, Salut à tous, salut plus Jeffire. ça Merci pour le follow convient. Notre Illusion et Xamas dans le même temps, merci à tous ses amis. 3500 follow quasiment bientôt, merci à tous du soutien, ça fait plaisir. Ok, ici on défend, avantage de range chez lui, on fold je pense, check Ouais, fold. je sais pas pourquoi je colle Genre là, même s'il je tombe la meilleure pour toi, genre dame de cœur et qui débarrelle cher, tu vas devoir fold. ouais. Tu as assumé aucune turn. Là chauve, il peut te call moins bien. Valet 8 fold. Là ici tu peux limp, sauf dans les fois où encore une fois il iso trop ou il iso tapis direct. Et puis Là profiter, il fold. avait un gros stack. Là, j'aurais dû faire tapis, je pense, peut-être 8 et 9, je sais pas. Ouais, non, je pense pas, ça me va. 8 et 9 sur un chauve. Quand il te chauffe, en fait, tu préfères toi-même faire tapis et avoir ta fold equity que jouer un coup direct à tapis. Donc là, il te fait engager ton stack, tu Ouais, vois. Hello Mathieu, hello la team, salut, I don't care, ça va? Là, on fold, sauf dans les fois où il iso, pas assez. Bet au flop, comme tu l'aurais fait si t'avais rien, avec des 3x, 5x, 5-7, 7-7-8, tu les limp aussi, c'est ouais. marrant, tu vois. Ouais, je bloque pas les 6, Ouais, j'aurais pu bah tu bloques bet. 6-5, 6-3, mais tu bloques pas forcément des mains qui vont call chez As-4, lui, à part ces mains-là, quoi. Bon, bet à la turn, et deux barrels serait servi de cet as-là pour bluffer. Bon, plutôt deux tiers, pour qu'il colle plus souvent. Besoin de faire tapis. Bon là donc bet jamais. Pareil, avantage de range pas chez toi. ouais, j'ai pas de cœur. Hein. Ouais. Fold. Défense ici 6-7. Là ici tu peux limp induce, ça me va. J'ai fait exprès, ouais, c'est ce Parfait. que Bon j'ai fait. voilà. Quand je fais tapis et qu'il me call, c'est dans tous les fois quand. Ça veut dire que dans tous les cas, quand je vais limp, il va me faire tapis ou mise au call. Par contre, quand je limp, il va me faire tapis ou mise au avec des mains qui ne me colleraient pas tapis moi-même. Donc je fais faire à l'adversaire plus d'erreurs. Exact, ouais. Très Sur une intéressant. main forte comme ça, ouais, c'est pour ça que j'ai voulu limper. Fold, limp ici, c'est bien. Ouais, bon, tu peux call, après tu bloques 6, Un 5, 6, peu. 7, ça va être relou. Fold à la Ah, turn, ça me folle. va.
Là, t'aurais pu défendre, c'était vraiment le bottom, 5-3, 5-4. Là, ici, j'ai envie de limp call un iso, parce que s'il open et que je fais tapis, imagine, j'open et il me fait tapis, je vais devoir open fold, c'est relou, tu vois. Je Ouais. préfère limp call un iso. Ah, je perds, ouais, je Ouais, perds. c'est bête ici, un tiers suffit. Bon, 2 barrels. Bon, t'as fait petit, ça me va, et il te fait tapis. Bon, souvent, quand l'avantage de range, il est chez toi, toutes les mains que tu domines, genre des 9, des paires de 8, à paires de 3, des 7, des 2x, elles vont just call. Ici, des Ouais. flush draw aussi. Tout ce qui va trade, ça va être top pair, deux paires ou mieux. Donc, Voilà, il n'y a je pas assez de termine. bluff, semi-bluff, bluff. Bon, je pense qu'il faut pas call Paul. ici parce que tu as toujours perdu. Ouais. Voilà, bon, il avait à 6. Bon, par contre, d'une manière générale, c'était un format hyper intéressant à faire. Je suis content de l'avoir fait avec toi. Ça se voit que tu es Ah, moi ultra aussi. motivé et que ça t'a fait plaisir. Donc, moi aussi, Ah, c'est c'est plaisir cool. Non, partagé. franchement. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jonathan? Écoute, j'ai appris plein de choses. De toute façon, c'est ce que je m'attendais. Mes attentes, elles sont. Ça, c'est par rapport aux attentes que j'avais. Je suis pas déçu du tout. Donc, c'est nickel. Après, moi, j'ai noté deux, trois choses, mais je vais la regarder. Ouais. Mais il y a plein de choses, des petites erreurs que je vais corriger. Ça va me servir pour la suite. Donc, c'est super. Je conseille aux gens qui regardent le stream, qui regardent tes vidéos, parce qu'il y a plein de bons conseils. Et j'ai appris déjà plein de choses juste sans avoir d'interactivité avec toi. Là, le fait juste de faire le League Finder, déjà, j'ai appris plein de choses. Il y a plein de petites notes que je me suis mis. Donc, ça, je peux que progresser. Donc, c'est bien. Je suis Bah tant content. mieux, je suis Merci. content que ça t'ait plu. En tout cas, moi, comme je t'ai dit, c'est plaisir partagé. Je suis content de l'avoir fait avec toi. Si vous, les amis, ceux qui regardent sur Twitch maintenant et ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, vous avez envie vous aussi d'avoir un League Finder avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, n'importe quel réseau social. J'essaierai de répondre au mieux à vos demandes. Je suis un peu rempli au niveau des coachings, mais j'ai toujours de la place pour vous mettre un ou deux créneaux de League Finder si c'est possible pour vous et que si vous en avez envie. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de vous faire coacher forcément pendant X heures avec moi pour faire un League Finder. Je les vends à l'unité, voilà. C'est en fonction du nombre de mains que le prix change. Voilà, après, vous pouvez m'envoyer des demandes pour les informations en message privé, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, les amis. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. En tout cas, c'était un plaisir de le faire avec toi, Jonathan, je te le répète, mais c'est Plaisir important. partagé, hein, Mathieu. J'espère que tu vas progresser sur cette vidéo-là. Tu n'hésiteras pas à me faire un petit retour à froid, que ce soit en commentaire YouTube ou en privé, comme tu veux. Une fois que tu Ouais. auras bien revu cette vidéo, si tu sens des améliorations sur ton jeu, si tu fais des Ouais. pertes, même si tu n'es pas encore dans la team, si un jour tu as envie de te faire coacher avec moi, t'hésites pas. Et puis quoi qu'il arrive, si tu Ouais, fais des si pertes peut-être grâce à un jour. moi, en tout cas en partie, et que tu le Ouais, non, ressens, t'inquiète. n'hésite pas à me l'exprimer, même si je ne suis pas avec toi en coaching, comme tu le sais, sans me jeter de fleurs, je réponds à tout le monde en message. Donc voilà, je serais très content de te féliciter si c'est le cas. Pas de En tout souci, cas, voilà, vous t'inquiète, les je amis compte sur là-dessus. YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, c'est gratuit. Bientôt, on sera 3000 abonnés, ça monte hyper vite, road to 3000 abonnés, donc merci à tous ces amis. Bientôt, je vais créer le nouveau tournoi pour fêter les 2000 abonnés pour le tournoi de la team. Préparez-vous, les amis, c'est bientôt. Jonathan, as-tu un petit dernier mot à dire à la communauté? Un petit au revoir. Ben, écoutez, hein, suivez on se verra sur le prochain tournoi de la Ponte et puis suivez ces vidéos, il y a plein de bons conseils. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et puis, good luck sur l'étape. Bah, merci à toi en tout cas Jonathan. À très vite les amis, c'était Mathieu Laslapompe pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires les amis, comme je dis d'habitude, comme je dis tout le temps, j'ai pas d'ego envers moi-même. Donc si vous avez des avis positifs ou négatifs mais qui sont constructifs pour me faire avancer dans la manière de m'exprimer, la manière d'expliquer les coups ou dans le côté technique, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube dans les commentaires. Voilà les amis, on se